Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'année des trognes, une année des trognes qui va durer encore et encore, puisque les trognes, c'est du passé, mais c'est évidemment surtout l'avenir. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir le grand, l'incomparable, l'innommable, le structurant, le prophète, Hervé Covès. Salut Hervé. Innommable. Bonjour à tout le monde. L'incalculable, l'improbable, tellement son savoir est grand, ça veut dire qu'on peut l'utiliser tous les jours et à chaque instant. Pour nous accompagner, on a Lou Gauthier qui est aussi à la coordination, à l'animation de cette année des Trognes, mais aussi du groupe national, je vais y arriver, Trognes, hein, qui se compose aujourd'hui d'une quarantaine de structures d'opérateurs qui travaillent sur la création de supports, l'identification, la structuration, la pédagogie et la recherche. Bonjour Lou. Bonjour Alain. Bonjour à tous. Bon, il paraît que tu ne peux pas parler fort, mais ce n'est pas grave, on va y arriver. Salut à vous qui nous avez rejoints sur YouTube, hein, une fois de plus. Merci à Dylan pour cette mise en onde pertinente et permanente, hein, sur le Ver de Terre Production qui nous accompagne depuis longtemps et pour longtemps encore. Vous n'hésitez pas, vous le savez. On est ensemble pour discuter des trognes version vieux arbres, puisqu'il semblerait que ces trognes vieillissent bien. On ne sait pas qui a inventé la trogne, si c'est le castor, si c'est le paysan, la foudre, le feu, la tempête, on ne sait pas encore. En tout état de cause, on en fait encore en toujours, des petites, des grandes, des moyennes, au service de nos paysages, de nos territoires et de nos agricultures. Vous posez vos questions, vos suggestions, vos commentaires sur le chat. Lou les relève, les révèle et les met en onde. Lou, as-tu quelque chose d'important à nous dire? Eh bien, oui, écoutez, restez attentifs à la construction du groupe National Trogne, parce qu'il y a des dynamiques là, qui sont en train de se construire, qui vont être très, très intéressantes dans l'année à venir, et même les années à venir, je vous espérais. Voilà, pas plus tard que dans quelques mois, je pense, dans 6 mois, il y aura quelque chose d'assez bien construit et d'assez intéressant. Donc, n'hésitez pas à vous y intéresser dès maintenant. Merci beaucoup. Alors, il semblerait que le partage d'écran soit efficace, n'est-ce pas? Ils sont beaux, ces petits écureuils, Hervé. Ce sont des muscarins. Vous savez que ça démarrerait au quart de tour. Alors, il n'y a aucun rapport avec les trognes et avec les vieux arbres. C'était juste parce que j'avais quelque chose d'important à vous dire. C'est que la vie est belle. Voilà. Et donc, c'est ce que je vais essayer de décliner cette matinée avec vous, hein, pour décliner ça dans le registre des vieux arbres, de ces vieux arbres immortels que sont les trognes. Voilà. Magnifique. L'immortalité, ça commence fort et ça fait tomber une belle et grande idée reçue, n'est-ce pas? Alors voilà, donc d'abord pour commencer, voilà, un arbre. Alors celui-ci, ce n'est pas mon arbre, hein, c'est l'arbre de mon ami Félix qui me l'a fait passer. Il ne savait pas que j'allais faire justement cette matinée sur les trognes, mais son vieil arbre auprès duquel il va se ressourcer. Hein, et voilà, donc je voulais le mettre un petit peu avec nous, parce qu'en fait, ces vieux arbres, tout le monde les trouve beaux. C'est quand même troublant. Pourquoi est-ce qu'on va trouver des vieux arbres beaux? Pourquoi est-ce que quand on est un petit peu mal dans sa peau, on a besoin, beaucoup de personnes ressentent le besoin de se rapprocher d'un vieil arbre? Voilà, il y a quelque chose de très beau là-dedans, ces arbres qui prennent soin de nous, dit-on. Et alors, les vieux arbres, où est-ce qu'il y en a? Alors, j'ai trouvé ce truc-là. Donc, vous avez en jaune, sur ce planisphère, toutes les forêts du monde, et en vert, les endroits dans des forêts intactes, mais des endroits où il y a des vieux arbres. Donc. Voilà. Et vous voyez que les vieux arbres sont répartis où? Dans le,
des zones équatoriales, mais il n'y en a plus beaucoup. Hein. C'est les forêts tropicales, primaires, dans lesquelles on a encore des arbres de 600, 700 ans. Hein. Donc, dans toute la partie équatoriale, en Amazonie, en Afrique, encore un petit peu en Indonésie. Et après, on en a dans le nord, le nord du Canada et, et dans la Sibérie. Voilà. En Europe, vous voyez, il n'y a presque rien. Il y a un petit peu, là, un tout petit point vert là, qui se trouve dans la vallée du Danube. Un beau petit point, alors là on est déjà en Asie, enfin en Eurasie on va dire, hein, entre la Géorgie et l'Arménie, hein, voilà, où on a encore quelques vieux arbres. On a un point mais tellement petit ici qu'on ne voit pas, il y a encore des forêts presque primaires dans la Sainte-Victoire près de Marseille. Et puis quelques arbres qui chez nous sont devenus tellement rares, ces vieux arbres, qu'on les a tous muséographiés. On les a mis dans des catalogues comme patrimoine mondial de l'humanité auquel il faut faire attention. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de vieux arbres chez nous alors que dans une forêt normale, dans un territoire normal, il devrait y avoir de l'ordre de un très vieil arbre par kilomètre carré, pour 100 hectares, un vieil arbre. Voilà, et donc un arbre par kilomètre carré, ben c'est tout ce qui apparaît en vert, là, en vert. Alors voilà, on va les visiter peut-être un tout petit peu. Hein. Le mont Ararat, voilà, donc ça c'est côté arménien. C'est vous voyez, des grands massifs de verdure qui sont au pied de cette montagne, dans laquelle on a une forêt tout à fait exceptionnelle, une biodiversité tout à fait fantastique, des arbres tout à fait remarquables. Hein, la légende dit que c'est au sommet de cette montagne que l'arche de Noé a atterri lorsque le déluge s'est terminé. C'est un endroit voilà, où il y a une telle biodiversité que de tout temps, les gens se sont dit ben, c'est forcément là que l'arche de Noé est tombée parce qu'il y a tellement de vie là-bas. Voilà. Et des vieux arbres qui sont gardés, ouais, des forêts merveilleuses qui sont gardées par des monastères. Voilà, donc ça c'est la Sainte-Victoire, une forêt comme ça, vue de l'extérieur, on voit des bosses, des creux, des garrigues et des arbres millénaires dans cette forêt. Voilà, ça c'est une autre forêt que j'aime énormément, c'est celle de l'Amazonie. Hein. Alors, vous voyez que des arbres, il y en a partout, de toutes formes différentes, des forêts dans lesquelles on a une diversité de plantes tout à fait remarquable. Des plantes qui sont toutes différentes. Vous voyez, dans les forêts tropicales, on a par kilomètre carré, à peu près, on peut trouver quelquefois 100, 200, 300 espèces d'arbres différentes. La diversité des arbres de forêt européenne, c'est 135 arbres. Vous voyez. Il y a quelquefois, dans un hectare de forêt tropicale, une biodiversité d'arbres plus grande que la biodiversité d'arbres de toute l'Europe. Et dedans, donc, on a des arbres de plein d'espèces différentes qui peuvent atteindre des âges vénérables, 500, 600, 700 ans, 1000 ans, pense-t-on, quelquefois. Alors, et ça, c'est mon vieil arbre, voilà, hein, celui dans l'Amazonie, c'est un grand ceiba. Ces ceibas, ce sont des arbres qui mesurent 70 mètres de haut, qui dépassent de la canopée. Alors, vous voyez, la forêt qui est là, elle est à 35 mètres de haut. Et là, on est juste dans la partie qui est au-dessus. Des arbres immenses, des arbres au bord desquels, à côté desquels, les gens construisent leurs habitations. Voilà. Des arbres près desquels on vient se ressourcer, on vient cultiver, on vient vivre tout simplement et cultiver ces abatis. Donc les abatis, ce sont les jardins nourriciers des peuples amazoniens. Alors voilà un autre vieil arbre. Regardez comme c'est majestueux. On dirait même pas un arbre, une colonne immense. Hein, dans le registre des treuils, on pourrait appeler. Vous voyez, il est complètement élagué. Il y a une ramure qui est toute étroite. Il mesure, je ne sais pas, peut-être 70 mètres de haut. Il domine une autre forêt. Voilà, donc lui, il est un petit peu isolé hein, dans sa forêt, mais des arbres comme ça, on devrait en avoir
un petit peu partout sur Terre. Quelquefois, on les coupe rien que pour connaître leur âge. Hein. Au XIXe siècle, c'était assez fréquent d'abattre des grands arbres juste pour savoir quel âge ils avaient. Hein. Voilà d'autres grands arbres remarquables. Hein, donc, à Madagascar, hein, donc ces allées de baobabs séculiers. Donc, des baobabs, vous voyez, qui ne savent plus se reproduire aujourd'hui parce que les animaux qui contribuaient à la germination, à la dissémination et à la germination de leurs graines, ces animaux ont disparu, hein, les dodos, paraît-il. Et donc, depuis qu'il n'y a plus de dodos, ben, il n'y a plus de semis de baobab. Voilà. Donc, des arbres qui vont être amenés à disparaître si on ne trouve pas des façons de les faire germer, de les réimplanter pour aider les animaux, hein, suppléer les animaux qui aujourd'hui ont disparu et qui permettaient leur diffusion. Voilà, donc ça, c'est Mathusalem. C'est le plus vieil arbre de la planète. Et vous voyez que dès qu'on arrive dans des très vieux arbres, mais là, on parle de quelque chose comme 5000, 4000, 5000, 6000, 7000 ans, je ne sais plus quel âge il a, Mathusalem. Ça ne ressemble plus à des grands arbres comme ceux qu'on a vus dans les forêts tropicales ou comme ceux qu'on a vus dans le grand séquoia là, qu'on a pu voir tout à l'heure. Ça ressemble à des espèces de choses assez rabougries, aux branches coupées, taillées, élaguées, et sur lesquelles un petit peu de végétation arrive à pousser. Vous voyez, lui, mais celui qui est derrière, c'est le même topo. Donc là, dans les endroits où ils sont, c'est à la fois le vent, les intempéries, qui les coupe, qui les élague, et qui les fait presque vivoter, dirait-on, mais vivoter sur de grandes périodes. Voilà, donc un autre, hein, donc un séquoia qui a été émondé et qui pourtant continue de pousser, un arbre de 5000 ans aussi. Et là, voilà, je voulais vous montrer le plus vieil arbre de France. Il s'agit d'un genévrier, hein, de Phénicie, dans la gorge du Verdon. Il est accroché à une paroi, un tronc en ruban. Vous voyez, on voit les troncs en ruban. C'est-à-dire qu'il pousse tellement lentement qu'il a tellement peu de matière qu'il ne peut même pas faire un tronc complet. Il ne fait qu'une lamelle de tronc qui va se déployer tout doucement. Et cet arbre, il aurait aussi aux alentours de 6000 ans. Un tout petit arbre de rien du tout. Il y en a un autre là qui est un tout petit peu plus jeune. Vous voyez ces cordons là, ces troncs en cordons au bout desquels poussent, apparaissent quelques petites branches. Et dans la grande aridité, dans la difficulté de certains écosystèmes, ces arbres arrivent à vivre très 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 longtemps. Ils sont presque immortels. Alors, c'est un des éléments importants, hein, qu'il nous faut retenir, c'est que finalement, des arbres peuvent avoir une immense croissance et constituer des êtres tout à fait majestueux. Ils peuvent aussi avoir des tailles plus restreintes et vivre beaucoup plus longtemps. Comme si l'humilité, la petitesse était un gage de longévité, hein, et que la grandeur, c'était ces arbres élancés vers la lumière, étaient peut-être des formes plus éphémères, hein, plus éphémères. Les vieux arbres peuvent aussi prendre des allures tout à fait originales. Et là, c'est un arbre qui s'appelait Pando, hein, on lui a donné un nom. Et donc, c'est une colonie de peupliers faux-trembles. C'est-à-dire que tous ces éléments, il y a un immense système racinaire souterrain de plusieurs hectares, de plusieurs kilomètres carrés même, sur lequel poussent tous ces fûts, hein, d'arbres, qui sont en fait pas une population, mais un seul et même arbre qui émerge d'un immense système racinaire souterrain. Voilà. Et donc, cette colonie de peupliers aurait 80 000 ans.
peut imaginer, vous voyez, des colonies d'arbres comme ça qui prospèrent, qui se développent, qui créent des sols riches, féconds et fertiles, hein, avec lesquels le Homo sapiens pourrait apprendre à vivre. Voilà. Donc ça, c'était pour un peu les présentations de toutes ces formes d'arbres. Toutes ces formes d'arbres, mais oui, à part les petits arbres du Verdon, on n'a pas vu en fait tellement d'images de vieux arbres chez nous. Hein. Et avant de rentrer plus dans ce détail-là, je voulais vous apporter un certain nombre d'éléments factuels, d'éléments scientifiques, d'éléments poétiques également, qui font que les vieux arbres ont quelque chose d'assez exceptionnel à nous offrir. Voilà. Alors déjà, un premier élément, donc représenté un petit peu schématiquement ici, vous voyez, d'un arbre qui pousse. Et oui, quand un arbre pousse, je ne sais pas si on voit ma souris sur l'écran. On va faire comme si le petit, là, sur la gauche, hein, ce petit arbre, il va se développer, il fait des branches qui vont croître. Et au fur et à mesure que ces branches croissent, vous voyez, il y a des embranchements qui se réalisent. Et ces embranchements, donc, vous voyez, dans chaque branche, ça fait comme des espèces de familles de branches. Et ce qu'on a pu observer sur les arbres, c'est que chaque fois qu'un bourgeon axillaire, le bourgeon axillaire, c'est le bourgeon qui est sur le côté d'une tige, chaque fois qu'un bourgeon axillaire est créé, il ne va pas avoir tout à fait la même combinaison génétique que le bourgeon axillaire dont il est issu. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que un arbre, en fait, a énormément de gènes. Hein, la plupart des arbres ont 10 fois, 12 fois plus de gènes qu'un humain. Hein. Il faut 10 à 10 fois plus de génome pour faire un arbre que pour faire un Homo sapiens. Vous voyez, donc les arbres sont beaucoup plus évolués que nous. Hein, ils ont beaucoup plus d'informations pour arriver à réaliser leur architecture et arriver à vivre. Mais un arbre, contrairement aux animaux, un arbre est immobile. Et donc, il va falloir qu'il trouve un stratagème pour s'adapter en permanence au milieu dans lequel il évolue. Et donc, ce stratagème, c'est d'arriver à activer ou désactiver une partie de ses gènes au fur et à mesure qu'il pousse. Ce qui fait que, imaginez qu'un bourgeon axillaire grandissent, produisent 6 ou 7 petits bourgeons axillaires quand l'arbre est tout petit, hein, ou là 4 comme ici. Et donc ces petits bourgeons axillaires, certains vont avoir une expression de leur génome un petit peu différente. Et cette expression va se traduire par exemple par une petite branche qui va être un petit peu plus épaisse que l'autre, ou des feuilles un petit peu plus luisantes, ou d'autres endroits avec un petit peu plus de tanin dans la feuille. Oui. Et l'année suivante arrivent des pucerons, et donc les pucerons vont se développer sur les parties les plus tendres, les plus légères, et dans celles où la paroi sera plus épaisse, ou dans celles où les tanins seront plus abondants, les pucerons ne se développeront moins bien que celles dans lesquelles tout était bon, tendre et nourrissant pour les pucerons. Ce qui fait que on a un des bourgeons qui ne va plus trop se développer. Et les deux autres vont mieux se développer parce qu'ils auront été moins attaqués. L'année suivante, ils auront tous ces deux-là commencé à produire pas mal de bourgeons axillaires, vu qu'ils se seront bien développés. Hein. Et donc, dessus, on aura plein de petits bourgeons résistants pucerons, mais avec en plus, peut-être, un tout petit pourcentage, ça va représenter 0,5 à moins de 1% du génome, en fait, qui évolue d'un bourgeon sur l'autre. Et donc, on va avoir, par exemple, une meilleure capacité à résister à la sécheresse pour certains des petits bourgeons qui vont naître. Et l'année suivante, si on a une année de sécheresse, et bien ce sont ces bourgeons-là qui vont prendre le dessus et arriver à se développer. Si l'année suivante est plus humide, ce sera d'autres bourgeons de l'année d'avant qui auront une meilleure résistance, une meilleure capacité à l'humidité qui arriveront à se développer. Et ainsi, au fur et à mesure du développement de l'arbre,
son architecture va refléter non seulement, donc, bien sûr, la forme, la structure de l'arbre, mais également l'histoire qu'il aura vécue. Ce qui fait que plus un arbre est vieux, plus son histoire aura été complexe, plus sa capacité à s'adapter à son environnement aura été immense. Et sur un jeune arbre d'une vingtaine d'années ou d'une trentaine d'années qui va avoir qu'une trentaine d'années de mémoire activée par justement ce qu'on appelle l'épigénétique, donc ce phénomène d'adaptation des bourgeons à l'environnement. 30 années d'adaptation, c'est pas grand-chose. Imaginez un vieil arbre de 500 ans qui aura déjà vécu pendant le petit âge glaciaire d'il y a 300 ans, mais qui aura aussi vécu des canicules extraordinaires, qui aura vécu des hivers d'une douceur délicate, mais des hivers d'une froideur intense, qui aura vécu des étés caniculaires, mais qui aura aussi vu tomber de la neige au mois de juillet, qui aura vécu des canicules, des sécheresses, qui aura vécu toute forme d'attaques de chenilles, de pucerons, d'insectes en tout genre, qui aura vu des teignes, des maladies, des zoïdiums, des mildiou, ou je ne sais trop quoi, toutes sortes de phylloxéra, et pourtant l'arbre est toujours là. Et comme il est toujours là, ça veut dire qu'il a trouvé en lui, déployé en lui, tout un attirail de réactions qui lui ont permis de vivre 200, 300, 400, 500 ans. Voilà. Et ces arbres-là sont tout à fait exceptionnels parce que non seulement ils disposent de tout l'attirail génétique pour faire un arbre, 8 fois plus, 10 fois plus de gènes que pour faire un Homo sapiens, mais en plus ce sont les gènes les plus utiles qui sont activés parce qu'il a eu le temps de les exprimer. Et imaginez-vous qu'au début, on pensait qu'il y avait très peu d'arbres qui faisaient comme ça. Ce phénomène avait été découvert sur des figuiers tropicaux. Et aujourd'hui, on se rend compte que même sur des petits arbres, quelquefois, il y a des petits drageons, des petites repousses qui vont naître sur les arbres. Et vous voyez, sur ce dessin-là, je ne sais pas si c'est très net, on voit qu'en fait, la petite repousse qui est là sur le côté, elle est un petit peu comme un petit arbre qui va y recoller sur l'écorce, sous l'écorce, en fait, de l'arbre qui est plus vieux. Il va réagir comme s'il était un arbre à part. Et on a des arbres entiers, comme celui-ci, où chacun des petits bouquets du bout est un arbre différent. Comme si un arbre était en fait une colonie d'arbres différents, dont chacun, au fur et à mesure que l'arbre vieillit, au fur et à mesure qu'il avance, est un trésor d'adaptation du vieil arbre à son environnement. Et ce que nous montre le petit schéma en haut, c'est que chaque fois que j'ai une nouvelle branche qui va émerger d'un arbre, j'ai ce phénomène de recombinaison, d'adaptation qui se met en place et qui permet justement une plus grande adaptation de mes arbres à leur existence. Voilà. Hervé, oui, Lou. On a c'est pas vraiment une question, mais une discussion sur le chat, que je pense que ça vaut le coup d'étendre à la conférence. Des gens qui nous disent, certainement avec raison, que le nombre de gènes n'a pas forcément de sens pour dire qu'un être est plus évolué qu'un autre. Alors, je pense que tu seras d'accord là-dessus, sur le fait que le nombre de gènes n'est pas l'indice essentiel. Mais du coup, est-ce que tu pourrais juste, même si c'est technique, vu que ça a l'air d'en intéresser certains, expliquer en quoi le nombre de gènes change crée ces différentes colonies éventuellement? Alors, en termes d'évolution, plus il y a des gènes importants, plus l'être est évolué. Hein, voilà. Donc, là, il faudra relire toute une série d'ouvrages sur ce sujet. Voilà, la multiplicité, la complexité du génome est un critère d'évolution, hein, est retenu comme un critère d'évolution. En tout cas, on le retient dans le monde animal et on ne le compare pas avec ce qu'il y a dans le monde végétal. Mais factuellement, une plante est beaucoup plus évoluée qu'un animal. Voilà. Hein.
Alors par contre, la notion de génome n'a pas tout à fait la même signification. Hein, parce que le génome d'un arbre, d'ailleurs, le génome d'un animal, c'est un génome qui se permet de coder de la protéine. Hein, et donc, un être animal est un être constitué de protéines. Le génome d'un arbre ne sert pas à coder son architecture du tout, parce qu'un arbre est fait que de sucre. Il n'est pas du tout fait de protéines. Hein. Donc, alors bien sûr, dans les métabolismes qui vont permettre de déployer, de créer ces sucres, le génome va bien sûr intervenir dessus. Mais le génome d'un arbre est en fait sa mémoire fonctionnelle d'adaptation à son environnement. C'est pour ça qu'ils ont des génomes aussi énormes. C'est que comme ils ne peuvent pas bouger, il faut qu'ils gardent en eux toutes les capacités de pouvoir s'adapter aux évolutions du milieu. Nous, on a chaud, on va se mettre à l'ombre. On a froid, on se met au soleil. On a soif, on va se rapprocher d'eau. Un arbre, il ne peut pas faire ça puisqu'il est immobile. Donc, étant immobile, il va avoir des stratégies de développement très importantes et déjà par cette mémoire d'adaptation et par la façon, donc justement, il y a tellement de gènes qui ne peuvent pas tous les exprimer simultanément. Et donc, il y a un petit nombre de gènes donc à chaque bourgeon. Alors, quelquefois, ça peut se faire que de façon épigénétique, c'est-à-dire par méthylation, c'est-à-dire les gènes vont être rendus transcriptibles, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais fonctionnels, donc effectifs, ils vont pouvoir s'exprimer hein, simplement par les histoires de méthylation, le nom de l'ADN. Mais quelquefois, et pour certains arbres, il y a même un processus de recombinaison génétique. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas prouver que dans un arbre, une branche soit le même individu qu'une autre branche. C'était découvert de façon tout à fait fortuite par des équipes de Francis Allais là, qui allaient dans la canopée. Et donc, il y a une fille qui faisait une expérience sur des figuiers. Et donc, elle avait échantillonné plein de branches de figuiers. Elle a juste voulu s'assurer que ces branches de figuiers étaient toutes du même individu hein, pour ne pas avoir d'erreur d'échantillonnage par rapport à sa manip. Et quand elle a voulu voir si elle avait le même individu, en fait, elle n'a pas pu démontrer qu'elle n'avait pas le même individu et donc elle avait foiré sa manip. Et donc ça c'était assez rigolo parce qu'elle, elle pensait avoir échoué complètement dans l'expérience qu'elle faisait, effectivement, mais en fait, elle venait de découvrir quelque chose de tout à fait exceptionnel, tout à fait nouveau et novateur, qui aujourd'hui a pu être vérifié, même pour nos chênes. Il y a une publication de l'an dernier qui montre que sur le chêne pubescent, un chêne dont on ne croyait pas que ça se faisait parce qu'on n'avait juste pas regardé les bons gènes, les bonnes parties du génome. Hein, on croyait qu'il n'y avait pas de phénomène comme ça sur le chêne. Eh bien, si. Les chênes sont aussi capables d'avoir une recombinaison génétique qui se fait entre leurs différentes branches. Voilà. Je ne sais pas si ça répond un peu ou si ça illustre. Je pense que c'est parfait, merci. C'était un éclairage très pertinent, merci beaucoup. Voilà. Et oui, donc sur cet arbre-là, qu'on voit, en fait, on voit qu'il y a quatre troncs qui partent tous d'un même endroit, même peut-être plus que quatre troncs, il y en a un cinquième qui doit être caché derrière. Tout ça, en fait, ce sont des arbres différents, même s'ils ont le même système racinaire. C'est très troublant. Voilà. Et alors là, je voulais vous montrer aussi un autre arbre. C'est au Japon. Hein. Un Japon, vous voyez, cette colonie d'arbres, hein, donc des conifères, hein, qui poussent sur un pied mer. Donc ça, c'est une forme de taille, de trognage réalisé au Japon qui permet d'avoir des arbres à plusieurs niveaux, mais vous voyez, qui expriment parfaitement cette idée de colonie, qu'on puisse avoir sur une même souche, sur un même arbre, toute une diversité, une colonie d'arbres différents qui vont s'exprimer chacun par un port spécifique, et là, le port spécifique des conifères. Ce sont des choses très belles, très étonnantes. Et vous voyez, dans notre relation aux arbres, ce sont des arbres dont la forme là, est tout à fait conditionnée par l'interaction que les hommes ont avec cet arbre, qui permet d'avoir et une taille en nuage de la partie basse, qui permet de faire vivre la souche, certes, mais également aussi de produire du feuillage vert, de la verdure, tant pour la nourriture des animaux ou que pour les litières des animaux, et qui permet aussi de produire des perches, hein, donc
tous ces troncs hein, qui ont des usages pour les formes d'agriculture qu'ils pratiquent traditionnellement encore au Japon. Ah, voilà, et puis donc, ça, c'est un de mes gros arbres, c'est le gros chêne de salle. Voilà. Et ce vieil arbre donc, qui a une histoire, une adaptation tout à fait exceptionnelle. Alors, Salme, c'est où ? Alors, Salme, c'est dans la haute vallée de la Bruche, en Alsace. C'est l'endroit d'où sont partis les Mémonites. Ce sont ce qu'on appelle les gens qui vivent comme autrefois au XVIIIe, au XIXe siècle. Hein, Louis, il faut que tu m'aides, j'ai oublié le nom. Je vois pas ce que tu cherches, désolé. Ouais, il y a un autre président qui ne voulait pas qu'on revive comme des... Ah, les Amish. Des Amish, voilà, voilà, voilà. Et donc, ça, c'est le point de départ des Amish. Voilà. Et donc, ils sont parcourus, ils se sont installés dans plein d'endroits dans le monde, et il y a toujours ce vieil arbre du comté d'où ils sont originels. Et quand ces Amish viennent se ressourcer quelquefois auprès de leurs racines, de cet arbre hein, qui les a vus naître, et ben voilà, donc ils viennent récupérer, apporter un petit peu de la terre d'où ils sont venus au pied de cet arbre, et ils viennent récupérer. Alors voilà, il y a une amie qui m'a envoyé une petite lettre, et à l'intérieur, regardez, il y a des petits bouts de coton comme ça, et dans ces petits bouts de coton, voyez, on a un petit gland. Voilà. Et donc, j'en ai trois, là, de ce vieil arbre-là. Ce vieil arbre qui a des siècles d'histoire, des siècles d'adaptation de cette population des Amish depuis leur origine jusqu'à maintenant. Et cet arbre a en lui toute l'adaptation de la civilisation Amish, on va dire, puisqu'il était là depuis le début des Amish, hein, de son adaptation au temps. Et donc, c'est très précieux parce que comme les Amish hein, qui ont choisi une sobriété volontaire de vivre simplement, et cet arbre dans sa sobriété volontaire de vivre simplement, qui a une tronche, vous voyez, il a été élagué de plusieurs fois, hein, ses branches sont de temps en temps coupées, elles repoussent de son trognon, hein, et puis voilà, il produit ses glands qui vont transmettre toute une partie justement de cette adaptation exceptionnelle. Et voilà, donc il permet de ramener avec soi un petit peu de l'adaptation de ces arbres au monde, de l'adaptation du vivant au monde. Voilà. Donc l'épigénétique se transmet partiellement dans les glands, la génétique se transmet intégralement dans les glands, mais les graines des vieux arbres ont une richesse que n'ont pas les jeunes glands. Enfin, après, tout arbre a toujours débuté, tout vieil arbre a d'abord été un jeune gland. Voilà, et c'est aussi beau de voir que entre ce vieil arbre et ce petit gland que j'ai dans les doigts, c'est presque la même chose à quelques siècles près. Voilà. Voilà, donc toujours dans nos vieux arbres, sur la planète. Donc là, j'ai mis quelques photos de notre amie Geneviève Michon, hein, donc avec un de ses vieux arbres préférés, hein, donc un genévrier turifère du sud marocain. Voilà, cet arbre noueux, cet arbre tronier également, cet arbre qui porte toute une civilisation en lui, hein, et qui porte une civilisation parce que l'usage que les gens font de son bois, de sa ramure, de ses rameaux, de ses branches, de ses troncs, est vraiment prodigieuse. Et ces arbres donc, sont tellement reliés aux êtres, aux hommes et à l'humanité qui vit avec eux et aux troupeaux qui vivent avec, que dès qu'il n'y a plus d'hommes pour s'occuper d'eux, ils dépérissent. Voyez. Et ça, c'est quelque chose d'étonnant, c'est que l'immortalité des arbres peut
Et en fait, le fait de quelquefois d'éléments naturels, mais les très vieux arbres, s'ils deviennent très vieux, c'est qu'il y a des gens qui se sont occupés d'eux. Hein? Donc J'en voilà. profite, Hervé, pour te poser une question. Tu parles Oui. maintenant de la transformation des arbres grâce au fait qu'on les trogne. Il y avait quelqu'un qui nous posait la question au début, qui faisait une comparaison en fait entre le trognage qui change le comportement de l'arbre et la tavelure qui change le comportement du pommier. Est-ce qu'il y a un lien à faire? Je pense que la question globalement, c'est est-ce que l'attaque artificielle participe à l'évolution de l'arbre? Ben oui, mais tout à fait, dans le sens où le fait de lui couper ses branches va lui favoriser les réitérations, donc toutes ces réitérations qui sont des adaptations supplémentaires. Pour que ce soit oui, les bourgeons axillaires vont toujours se développer sur les parties superficielles, donc les plus récentes des arbres. Hein, et donc, elles ont en elles, c'est comme ces petits bourgeons terminaux qui sont connectés jusqu'à à l'origine, à la source première de l'arbre. Et donc, sur une trogne de 200 ans, les petits bourgeons axillaires qui reviennent permettent justement de reconvoquer toute l'évolution de l'arbre et toutes ces réitérations. Chaque fois qu'on le taille, il réitère. Chaque fois qu'on le réitère, il retrouve et la possibilité de s'adapter et la possibilité de rester jeune. Puisque finalement, ce que l'on voit d'un arbre, vous voyez, comme cet organisme, c'est un arbre qui est tout le temps, enfin, même s'il est très vieux, la partie superficielle de l'arbre a 1 an. Hein. Il y a toujours quelque chose de très jeune dans un arbre. Et quand on voit que les parties les plus anciennes peuvent vivre très longtemps, mais elles vont mécaniquement être assez faibles, ce qui fait que quelquefois les vieux arbres tombent et cèdent. Hein. Mais en diminuant leur ramure, et souvent les arbres le font spontanément, hein. À un certain âge, ils font ce qu'on appelle une descente de cime. Descente de cime qui signifie en fait que la quantité de panneaux solaires, de feuilles, de branches est devenue trop grande par rapport à la disponibilité, comme l'arbre ne fait que croître, hein, la disponibilité en eau et en nutriments qu'il y a en dessous de lui. Donc à un moment, il va descendre sa cime spontanément pour s'étaler et prendre moins de place en hauteur. Donc il se trogne spontanément et ce sont des tas d'insectes, des tas de petites bestioles qui vont commencer à décomposer, à manger son bois, hein, et de toute la partie superficielle. Et tout le bois mort du haut qui va retomber par terre va renourrir et redonner une dynamique pour que les parties jeunes qui sont autour puissent pousser. Et pour peu qu'il y ait des animaux qui broutent les arbres, hein, ben ça va permettre de développer un petit peu plus de toutes ces plus de jeunes réitérations, en fait. Alors la tavelure, voilà, de comparer le mécanisme d'une maladie au mécanisme du fait de manger, de couper des arbres, hein, c'est quand même deux mécanismes. Bon, qu'on peut rapprocher parce que finalement, l'atavelure est aussi une condition d'émergence de diversité. Toutes les maladies, hein, sont des conditions d'émergence de diversité des arbres. Parce que, alors en quoi, hein? Donc ça a été bien étudié, par exemple, sur les pommiers dans la forêt du Kazakhstan. Quand on a de la tavelure, c'est un champignon qui va muter à peu près tous les 30 ans. Et tous les 30 ans, donc, oui, il y a une espèce de course qui va se faire. Donc, la tavelure va manger des arbres, qui va être plus sensible et va les freiner. Et donc, certains arbres vont arriver à s'adapter. Dans cette adaptation, bien sûr, soit parce qu'elle va se faire de façon épigénétique, soit elle va se faire de façon génétique aussi. Les deux mécanismes, hein, coexistent bien évidemment dans l'arbre. Ça va permettre une diffusion, ce qui va, quand il y aura beaucoup de tavelures, les graines les fruits qui vont être portés, comme les glands d'une petite chêne, là, hein, mais tout ce qui va fleurir, tout ce qui va donner du fruit, sera ce qui sera le mieux adapté à un moment donné d'existence. Et les arbres les plus malades auront donné moins de fruits, auront donné moins de graines.
Et puis ces fruits auront été moins goûteux hein, s'il y a de la tavelure dessus, ce qui fait que les ours les auront moins mangés que, et donc ces fruits seront juste tombés sous leur pied mère, alors que les fruits qui auront été mangés, goûteux, juteux, savoureux, auront été mangés par les ours et auront été largement disséminés hein, dans toutes les forêts. Et donc la coexistence des pommiers avec de la tavelure, de systèmes d'adaptation et des ours gourmands qui mangent des pommes et qui disséminent les graines, ben la coexistence de ces deux phénomènes, donc d'un animal et d'un arbre, va faire que la tavelure va être un facteur d'adaptation de l'arbre à sa maladie, parce que ça va faire émerger et ça va sélectionner des arbres de plus en plus résistants. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce sont les ours qui réalise cette adaptation. Donc, il y a aussi une espèce de symbiose entre les ours et les pommes, parce que les ours n'aiment pas tellement les pommes tavelées, qui sont plus amères, plus rêches, plus rudes, moins sucrées que les pommes qui ne sont pas tavelées. Comme nous, d'ailleurs, on n'aime pas tellement les pommes qui ont la tavelure. Bon, on les épluche bien, mais on préfère, et même esthétiquement, on préfère toujours avoir des belles pommes sans trop de taches, quoi. Et donc, les ours, c'est pareil, en fait. Et donc, comme l'esthétisme, on pourrait appeler ça, moi je dirais plutôt la gourmandise des ours, va faire que la tavelure devient un critère de diversification, d'adaptation et d'évolution en fait, permanente des espèces. Voilà. Et chaque fois que l'on fige nos espèces, nos variétés, dans un schéma commercial, normatif, il faut que des pommes d'une certaine façon, que des arbres d'un certain type, que des clones, on aime tellement les clones, hein. Tout pareil, on aime tout normaliser, hein. Et ben voilà, ben ça empêche ce processus d'évolution qui fait que on se retrouve condamné à lutter en permanence contre les maladies, alors que si on laissait les maladies s'exprimer, mais qu'on laissait aussi les schémas sexuels s'élaborer, et puis finalement, si on laissait la nature se diversifier, ces maladies ne seraient pas un gros, gros, gros problème, ou que ponctuel, quelques années. Hein. Voilà. On fera une vidéo sur ce phénomène spécifiquement, et notamment sur le mildiou. Hein, voilà, je suis en train d'étudier le mildiou en ce moment, et donc de voir comment le mildiou est un facteur de diversification des espèces dans les lieux naturels dans lesquels il se déploie, est quelque chose d'assez extraordinaire également. Mais voilà, c'est un sujet qu'on traitera à part entière. Super, merci. Voilà. Et donc sur notre ogne, voilà, et puis là également donc le frêne, hein, voilà, donc de tous ces arbres. Donc là, c'est aussi un bel hommage à Geneviève, hein, donc avec tous ces livres fabuleux. Et puis là, c'est aussi un hommage à Geneviève Michon, photographe. Hein, cette exposition, cette sensibilité tout à fait remarquable, hein, cette façon de voir les arbres, cette façon de vivre avec, qu'elle a étudiée auprès de tous les peuples, toutes les agricultures du monde, dans notre relation à l'arbre. Voilà, on ne peut pas parler de trogne et de vieux arbres sans évoquer Geneviève Michon, qui nous prépare, je crois, un autre livre que l'on attend avec impatience. Voilà. Et alors, quand on demande vieil arbre, ouais, donc là, j'ai juste repris, donc hier, vous voyez, c'est encore le Google de la Saint-Valentin. Et donc, quand on demande vieil arbre sur Google, hein, et ben, qu'est-ce que l'on voit ? Eh ben, on voit que des trognes, quasiment, hein, des arbres coupés, élagués, hein, comme celui qui est là, et sur lesquels il y a plein de branches qui repoussent régulièrement. Voilà, donc sous nos latitudes, la condition de la longévité des arbres semble être liée au fait qu'ils soient trogniers. Alors pourquoi est-ce que dans les forêts tropicales, il n'y a pas besoin de trogner les arbres, et que dans nos forêts chez nous, il y a besoin de les trogner? Ah là là là. Pourquoi une telle divergence entre ce qui se passe dans les forêts primaires et ce qui se passe dans nos petites forêts pionnières? Parce que finalement, pionnières, nos forêts sont des forêts très jeunes. Hein, elles ne pourraient avoir que 12 000 ans, hein, depuis la dernière glaciation.
Alors qu'en Éthiopie, il y a des forêts qui ont 580 millions d'années, qui existaient avant les dinosaures et qui sont forestières depuis tout ce temps-là. Hein, en Amazonie, il n'y a pas eu de glaciation depuis peut-être 120 millions d'années. Hein, nous, 12 000 ans. Donc en 12 000 ans, il n'y a pas le temps d'avoir une grande diversité, ni d'arbres, ni de plantes, ni d'insectes, ni de vie. Hein, et que la vraie vie, celle qui est pleine de vie, elle se trouve nécessairement dans les zones tropicales. Et donc dans la diversité des arbres qui peuvent devenir de très vieux arbres, de très grands arbres, voilà, il y en a beaucoup. On pense que des arbres qui peuvent devenir des vieux arbres en Amazonie, sur les 80 000 espèces d'arbres qui existent en Amazonie, il y en a à peu près 35 000, 35 000 qui pourraient devenir des êtres de 200, 300, 400, 500 ans, voire plus. Oui, un nombre d'essences tout à fait exceptionnel, ce qui fait qu'on arrive à avoir de l'ordre de un très vieil arbre par kilomètre carré dans ces secteurs-là. Alors que chez nous, quels sont les arbres qui peuvent devenir très vieux, hein, sans être taillés, hein? Peut-être les chênes. Vous voyez, aujourd'hui, on voit des arbres séculiers dans la Sarthe, hein, des vieux arbres que l'on croyait immortels, on les voit mourir. Dans nos forêts, hein, vous voyez, quand on regarde le Douglas, par exemple, hein, Douglas, donc c'est des arbres qui ont été introduits en Europe. Mais lorsqu'on est sur l'île de Vancouver, au Canada, les Douglas sont des arbres majestueux, des piliers de cathédrale qui montent vers le ciel à 60-70 mètres de hauteur, des troncs d'une largeur de 3 à 4 mètres, quelquefois de diamètre, hein, c'est pas la circonférence, de diamètre, des arbres d'une majesté fabuleuse. Et donc, ils peuvent devenir de très vieux arbres. Hein. Chez nous, eh, bon, dès qu'on commence à avoir des Douglas, on a des scolytes, des petites bestioles qui viennent les manger. Ouais, ils n'arrivent pas à vieillir comme il faut. Hein. Chez nous, il y a comme quelque chose qui empêcherait les arbres de vieillir. Alors les mauvaises langues disent que Homo sapiens est pour beaucoup là-dedans. Hein. Ben, moi, je ne crois pas. Il faut certes qu'on ait des enfants terribles et qu'on ne sait pas trop bien se comporter, hein, avec la nature. Et ça, c'est vrai. Hein. Mais je crois que notre forêt européenne, c'est une forêt qui est essentiellement pionnière. Une forêt qui est là pour commencer à préparer quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on appelle une forêt primaire. Hein. Et cette forêt pionnière ne trouve sa dynamique finalement que dans son incessant renouvellement. Et ce renouvellement de cette forêt pionnière, hein, elle va se faire, ce renouvellement va se faire par une interaction active et très active avec des animaux qui mangent des arbres. Hein. Donc chez nous aujourd'hui, on n'a plus de mammouths, hein, parce que les animaux qui mangent le plus les arbres, c'était les mammouths. Hein. Quand on a un gros pachyderme comme ça en hiver chez nous qui n'a pas grand-chose à manger, qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent les jeunes bourgeons. Hein, des jeunes branches, des arbres, et donc, paf, il les écrasait, il les faisait tomber par terre pour pouvoir manger la partie la plus fine de sa ramure. Oui. Aujourd'hui, on n'a plus de mammouth, hein, donc, mais nos forêts, elles fonctionnaient avec une faune, mégafaune, comme on dit, hein, qui herbivore. On n'a pas de girafes, hein, mais oui, des animaux qui vont manger les feuillages un petit peu haut aussi pour élaguer, couper, empêcher les arbres de trop pousser. Hein. On a par contre autrefois, il y avait tous ces grands troupeaux de chevaux. Hein, donc les chevaux, imaginez les hordes de chevaux sauvages qui traversaient nos plaines. Alors c'était des plaines ou des forêts d'ailleurs. Hein. On a du mal, on se dit que le climax, que partout où elle peut, la terre appelle un arbre, donc le climax, la forme d'évolution la plus évoluée d'un écosystème est une forêt. Mais pas dans les pionnières, parce que dans les forêts pionnières, la forme d'évolution, c'est une forêt qui est très largement habitée d'herbivores, hein, et donc d'arbres qui sont mangés et d'herbivores qui les mangent. Hein. Voilà. Et donc, dans les forêts, on va dire, africaines aujourd'hui, on a les girafes, les éléphants, on a les gazelles, on a les gnous. Hein, chacun va manger une strate un petit peu différente, et ça maintient des systèmes ouverts dans des schémas qu'on appelle des savanes arborées. Hein. Et donc, et alors après,
quand le stade de la savane et que le niveau de fertilité, de fécondité, de richesse du sol, du milieu est suffisante, là, la savane peut redevenir de plus en plus forestière et devenir quelque chose où les arbres vont vieillir plus longtemps. C'est un schéma très, 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 très discutable, hein, bien évidemment. Mais voilà, je prends cette configuration-là hein, pour le raisonnement qui va suivre. Donc, de prendre conscience déjà que la plupart de nos arbres sont des arbres pionniers hein, et que le fait qu'ils soient pionniers va nécessiter qu'ils soient nécessités, voilà, ont besoin de cette interaction avec les animaux, avec les champignons, avec tous les êtres qui vivent autour, qui les broutent, qui les mangent. Et après, donc, bien sûr, il y a pas que des... Alors, pourquoi pionnier aussi? Parce que quand on regarde notre flore française, par exemple, sur les quelques 8000 plantes de la flore française, on a donc 135 arbres qui sont des arbres qui étaient là depuis le début, hein, donc des arbres indigènes. Et puis, on en a à peu près 380 supplémentaires qui sont des arbres qui ont été introduits, qui viennent d'autres continents et qui ont été introduits. Hein, donc, on arrive à un peu plus de 500 arbres, on va dire, hein, dans notre flore. Et tout le reste, donc 500, donc sur les 8000, les 7500 autres plantes, c'est toutes des plantes arbustives ou herbacées, des petites plantes. On a une diversité de plantes herbacées qui est beaucoup plus grande que la diversité de nos arbres. Donc, notre climat, notre climax du moins, l'évolution de notre système, c'est un système qui reste ouvert, qui a toujours été ouvert, parce que les plantes herbacées se sont beaucoup plus diversifiées que les arbres. Alors que dans les forêts tropicales, si on a 80 000 espèces d'arbres, il y a 80 000 espèces de plantes herbacées ou arbustives. On a un équilibre, on a 50-50, on a à peu près le même nombre de plantes, arbres et petites plantes. Alors que chez nous, on a très peu d'arbres pour beaucoup de petites plantes. Une des explications justement du fait qu'on ait une si grande diversité de plantes herbacées, c'est que nos milieux ont été des milieux qui sont restés tout le temps ouverts. Hein. Tout le temps ouverts, ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas se refermer, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des forêts primaires qui arrivent chez nous, bien au contraire. Mais ça veut dire que la dynamique de végétation dans laquelle on s'inscrit encore, juste 12 000 ans après la glaciation, est une dynamique en fait, d'arbres pionniers, donc d'arbres qui vivent avec des herbivores qui se font manger. Et vous voyez, chaque fois qu'un arbre se fait manger, ça fait du caca de l'herbivore qu'il a mangé. Et ça fait de l'humus et ça rentre dans un cycle. Voilà. Et les animaux sont appelés en fait, à la rescousse des forêts pour constituer des sols. Voilà. Une forêt n'existe que parce que beaucoup d'animaux sont passés avant elle aujourd'hui et donc vont contribuer à créer des sols qui vont permettre ensuite à des forêts d'exister. Aujourd'hui, on pourrait imaginer des forêts. Est-ce qu'on pourrait imaginer des forêts sans animaux? Est-ce qu'on pourrait bélover de ça des dernières forêts? On dit dernières forêts primaires, hein, mais forêts primaires bélover de ça. La glaciation s'est arrêtée là-bas en Pologne il y a à peu près 8000 ans, hein, et donc elle a que 8000 ans d'existence. Ça n'a rien à voir avec les forêts primaires amazoniennes ou tropicales. Par contre, dans ces 8000 ans d'existence, elle a eu le temps de faire aboutir des choses, une diversité d'arbres et d'arbres qui arrivent à devenir de très vieux arbres là-bas, sans être trognés. Mais il a fallu passer par tout ce temps-là. Et dans Bielovetsa, il y a toujours des grands animaux. On a toujours des bisons, il y a toujours des loups, il y a toujours des prédateurs aussi pour que ces troupeaux ne restent pas tout le temps au même endroit et que la forêt puisse se régénérer. Vous voyez, il y a une espèce de coexistence entre l'herbivore, l'arbre, et dans la forêt aussi avec donc le prédateur qui fait circuler les animaux de façon à ce qu'il n'y ait pas de surpâturage à certains endroits. Dès que les animaux arrivent de façon importante à un endroit, les prédateurs arrivent juste derrière, et ce qui fait que ça met en mouvement les herbivores qui n'arrivent jamais à surpâturer et à épuiser un système. Et ça aussi, c'est un élément très important qui permet aux forêts de se régénérer. Mais aujourd'hui, dans nos massifs forestiers, il y a des surpeuplements de chevreuils, de cerfs par endroits, ce qui fait que les forêts ont du mal à se régénérer quelquefois. Hein.
Et on le voit qu'il suffit de clôturer une forêt pour que le surpâturage des arbres diminue et que la forêt se régénère ensuite. Parce qu'on n'a pas suffisamment de prédation dans nos forêts, en fait. La prédation est pas... Les chasseurs sont beaucoup critiqués par beaucoup, mais la prédation, elle pourrait aussi se faire par des animaux sauvages, d'ailleurs, hein, pas comme les chasseurs, mais la prédation est un élément important de la dynamique des écosystèmes, de ces cycles de vie, de mort, qui permettent à la vie de se développer. Chaque fois qu'un être meurt, il va se décomposer, se recomposer. Et finalement, chaque mort est un cadeau que la vie offre à la vie qui suit. Voilà. Merci, Hervé. C'était super. Et voilà, j'interviens juste pour dire que je viens de finir un livre sur l'histoire de la forêt française, écrit par des forestiers. Et ça fait du bien d'entendre quelque chose qui remet les animaux dans cette vie des arbres, en fait. Parce que bon, je pense que vous êtes beaucoup à le savoir, même sur le chat, les animaux sont... Enfin, il y a une réticence à considérer qu'ils peuvent faire partie du développement des forêts. Et c'est... Merci d'avoir expliqué ça. Oui, et c'est d'autant plus important qu'on est dans des forêts pionnières. Voilà. Et que ces forêts pionnières trouvent toute leur dynamique par l'interaction qu'elles ont avec les animaux. On n'est pas dans une planète végétale, on n'est pas dans une planète animale, on est dans une planète végétale et animale et fongique et de tout ce que l'on ne connaît pas en plus. Tous ensemble, tout est lié. Tout est lié. Et j'ajoute une toute petite chose après avoir vu une question sur le chat. On nous dit très poliment, hein, est-ce qu'on peut reparler des trognes, même si tout ce qui se dit est très intéressant. Et pendant que tu parlais, je me demandais, est-ce que cette influence des herbivores dont tu parles pour transformer une forêt pionnière en forêt primaire, est-ce que finalement, quand on trogne, ce n'est pas ce rôle-là qu'on joue ? Mais exactement. Pas la place de l'herbivore. Okay. Exactement, exactement. Oui, tout à fait. Cette personne-là qui interagit a tout à fait raison de le redemander. Mais alors, effectivement, l'action de l'herbivore, c'est du trognage. C'est du trognage. Et c'est ça que nos ancêtres ont regardé. Et là, dans le sud marocain, sur ces trognes-là, qui sont certes coupés par l'homme aujourd'hui, parce que la gestion de l'espace est faite par l'homme, parce qu'il n'y a plus de grands herbivores pour aller manger les branches sur le haut. Hein. Et donc, c'est les hommes qui les coupent pour nourrir les chèvres ou les moutons qui peuvent être autour. Et donc, on utilise ces arbres comme des arbres fourragés. Donc, ils sont régulièrement trognés. Mais si nos ancêtres ont fait ça, je pense, et s'ils ont développé ce schéma de gestion, en fait, hein, d'économie de l'arbre et de l'animal, c'est qu'ils ont vu que ça fonctionnait comme ça, et donc ils l'ont juste amplifié, hein, pour arriver à des arbres qui produisent du fourrage pour des animaux. Et vous voyez qu'en plus, en dessous de ces arbres, comme l'herbe est verte et que quand il n'y a pas d'arbre, l'herbe, et il n'y a pas d'herbe, c'est du désert, du reg, du caillou. Hein. On est dans le sud marocain ici. Et vous voyez l'importance finalement qu'a l'arbre dans l'élaboration de la fertilité qui est autour des arbres. Mais cette élaboration, cette digestion des arbres se fait par les animaux en fait. Hein, donc c'est vraiment un tout. Et je pense que dans la compréhension de ce phénomène-là, hein, ben aujourd'hui, on n'a plus de mammouths, donc on a encore des tronçonneuses. Hein, on a plus de girafes pour aller manger le haut des arbres. On a peut-être des épareuses et on a plus de gazelles, hein, peu de chèvres pour manger dessus. Et ben on va trouver des sécateurs. Hein, et puis autour, on va remettre quelques herbivores, quelques moutons pour manger l'herbe qui est autour, par exemple. Mais c'est dans cette interaction-là de l'herbivore qu'il nous faut réinventer finalement dans notre relation aux arbres, tant qu'on n'aura plus d'herbivores pour le faire à notre place. Voilà. Et donc de ramener un petit peu les différentes formes d'arbres. Hein, donc cette trogne, donc c'est le têtard, hein, qu'on voit là, donc un arbre qui est régulièrement coupé. On va pas rentrer dans le détail de toutes les formes d'arbres, mais l'idée c'est juste de bien redéfinir ce qu'est une trogne, bien redéfinir ce qu'est une forme fruitière avec quelques charpentières qui sont régulièrement aussi raccourcies. Donc en fait, un arbre fruitier est aussi une forme de trognage, hein, en tout cas de broutage d'arbre quand il est taillé. Hein.
Et puis le bois d'œuvre, qui lui aussi est coupé, taillé. On laisse le tronc sans branche, de façon à ne pas avoir de nœuds. Et d'avoir. Donc voilà, les interactions de l'homme avec les arbres vont créer des formes, et qui sont des formes que l'on rencontre également. Et on l'a vu tout à l'heure dans la nature, hein, de prendre conscience, peut-être tout simplement, que Homo sapiens. Et vous voyez sur cette rogne de saule, hein, regardez la taille du plateau du haut, hein, avec tous les osiers qui poussent dessus. Ben, chacune de ces branches d'osier là, qui repart, c'est une réitération, c'est un arbre. Donc en fait, cette rogne nous fait une forêt d'arbres. Et plus cette rogne vieillira, plus les arbres, cette forêt d'arbres qui sera dessus, mais comme mon pango, vous savez, cet arbre qu'on voit émerger de la forêt, cet arbre de tout à l'heure, je vais le remettre vite fait, hein, la différence entre lui, ah, j'étais trop loin, lui, voilà. Ben lui, c'est une rogne qui émerge du sol, vous voyez. Toutes ces branches qui sortent de la terre, ben c'est exactement la même chose que ça. Oui. Si on avait la terre au-dessus. Et donc, on a une colonie prodigieuse d'arbres, de réitération. On dit que ce sont des clones, mais en fait, vous avez compris que ce ne sont pas tout à fait des clones. Parce que chaque fois qu'un nouveau bourgeon axillaire se redéploie, il y a une petite mutation, une petite adaptation épigénétique, voire génétique quelquefois, qui fait qu'on arrive à avoir une plus grande diversité et donc une meilleure résilience de nos arbres. Et ça, cette résilience, cette adaptation, les arbres le doivent aux animaux, ou à la foudre, ou au vent, on ne sait pas trop, comme disait Alain Canet tout à l'heure. Hein. Mais voilà, l'interaction avec les animaux est prodigieusement importante. Et ce qui fait que la trogne est potentiellement immortelle. Voilà. Donc, maintenant, on va changer un petit peu de sujet, parce qu'on a vu donc l'adaptation des arbres par leur génétique, par leur épigénétique. Et non, on va voir en quoi les vieux arbres, les vieilles trognes, sont aussi importantes par rapport à la vie des sols. Hein. Alors, vous connaissez mon dada, hein, c'est les champignons. Et donc, je voulais d'abord vous parler un petit peu de ces champignons mycorhiziens, et de redresser un petit tableau de ce que sont les champignons mycorhiziens. Donc là, vous avez une petite radicelle d'un arbre. Hein, on voit les poils absorbants, hein, sur le tour là, qui sont un petit peu transparents. Hein, donc on est à l'extrémité de la radicelle. Au milieu, on voit donc une partie qui est bleue, et puis tout au milieu, une partie qui est un peu plus verte. Hein. Et la partie qui est un petit peu plus verte au milieu, ça, ce sont les vaisseaux de la sève élaborée qui partent du haut de l'arbre et qui redescendent jusqu'à l'extrémité de la radicelle pour y amener les sucres dont se nourrit la radicelle et dont se nourrissent aussi ce qui a été coloré en bleu ici, qui est un champignon endomycorhizien, donc qui est à l'intérieur de la racine, qui vient encercler tout ce vaisseau du bois de sève sucrée qui descend des feuilles et qui se met à l'interface entre ces vaisseaux du bois de sève sucrée et les vaisseaux à l'extérieur qui sont les vaisseaux du bois qui vont remonter l'eau de la sève brute. Voilà. Et donc, ces champignons se mettent à l'interface entre l'extérieur de la racine où circule la sève brute vers le haut et les vaisseaux où circule la sève élaborée vers le bas. Et ils ont des prolongements qu'on voit ici, colorés, qui sortent de la racine. Donc là, ils ont été coupés, on ne les voit pas bien à l'extérieur. Mais ces champignons-là, endomycorhiziens, sont des champignons particulièrement actifs dans l'alimentation hydrique des arbres. Ils ont cette capacité de trouver de l'eau et de se mettre dans un lien très très étroit, oui, puisqu'ils se retrouvent juste à l'interaction, la zone d'interaction entre ce qui nourrit la racine, donc la sève élaborée, et ce qui nourrit l'arbre, c'est-à-dire ce qui nourrit l'arbre, la sève brute. Hein, donc ce qui nourrit, voilà, la sève brute qui repart.
Voilà. Et donc, ces champignons endomycorhiziens sont des champignons, on le verra, qui vont être de plus en plus importants face à nos histoires de réchauffement climatique, parce qu'ils ont une adaptation très, très particulière à la canicule, à la sécheresse et également à l'augmentation de la salinité liée au fait que l'eau s'évapore beaucoup quand il fait très chaud. Donc, il y a de plus en plus de salinité. Et ça, ces champignons-là, comme ils sont bien réfugiés à l'intérieur de la racine, ils ont la capacité de beaucoup mieux résister à ces éléments-là. Voilà, donc ces champignons, donc un autre, le glomus endomycorhizien aussi. Donc, on le voit à l'intérieur où il fait ses... Donc, c'est des petits arbuscules hein, qu'on va trouver dans les cellules. Donc, il va échanger des choses avec les cellules de l'arbre. Et à l'extérieur de la radicelle, oui, il fait tout cette espèce de petit feutrage blanc qui est son mycélium. Et là, on voit sur ce glomus en particulier, il émet des spores hein, qui vont permettre la dissémination de ces champignons. Les spores des champignons de ces glomus sont principalement véhiculés par l'appareil digestif des vers de terre hein, qui vont manger la terre et les mycéliums qui sont autour des racines. Les spores ne sont pas digérées par les excréments, par la digestion des vers de terre. Elles vont se retrouver dans les turicules. Et chaque fois qu'un animal, comme nous là au printemps, oui, quand on passe et qu'on a toute la terre des turicules de vers de terre qui restent collées aux racines, c'est pareil pour les sangliers, c'est pareil pour tous les animaux qui vont circuler dans nos bois ou dans nos prairies et qui vont donc se coller ces spores qui vont se disséminer en fait un petit peu partout. Voilà. Et donc, on a un autre grand type de mycorhize dans les sols qu'on appelle des ectomycorhizes. On le voit là, donc c'est un petit cénococcum, mais voilà, on est sur une toute petite racine, une radicelle de chêne hein, qui doit mesurer 0,3 mm de diamètre ici. Hein, donc, c'est relativement fin. Et à l'extrémité, vous voyez qu'on n'a pas de poils absorbants sur un chêne. Hein, on a directement aux extrémités, aux endroits où on devrait avoir des poils absorbants, des espèces de pelotes de champignons, de mycélium de champignons, ce petit champignon noir, là, le cénococcum. Et donc, c'est dans cette pelote, c'est ça qu'on appelle la mycorhize ectomycorhize, donc à l'extérieur de la racine, qui vient englober la racine et qui échange par l'extérieur. Quand on le regarde un peu plus en détail, vous voyez que le champignon, là, c'est une coupe d'une ectomycorhize. Le champignon donc, est coloré en vert, mais il y a quand même une petite partie qui pénètre à l'intérieur. Ce qui est important dans l'ectomycorhize, c'est qu'elle ne va pas jusque dans le cylindre central, elle ne va pas jusqu'à la zone donc où les sucres arrivent. Elle reste en connexion avec le système, elle est moins reliée à l'arbre, elle reste en connexion avec l'extérieur des cellules et est relativement peu connectée au cylindre central, donc à la sève élaborée. Donc, ces ectomycorhizes coûtent peut-être un tout petit peu moins cher à l'arbre, hein, mais par contre, ne lui permettent pas une aussi bonne adaptation à la sécheresse, à la canicule et surtout à la salinité. Parce que les champignons sont beaucoup plus à l'extérieur et donc beaucoup plus sensibles, beaucoup plus fragiles, beaucoup moins protégés hein, par l'arbre. Voilà, alors un autre exemple de champignons mycorhiziens ou non, enfin pour les sérénipitains, on ne sait plus trop où ils se situent. Et ils font donc d'autres types de structures qu'on appelle des coralloïdes. Donc, c'est des champignons plus spécifiques de milieux acides normalement, mais qu'on va retrouver sur le sérendipita, donc ce petit champignon-là qui fait ses vésicules à l'intérieur. Hein, comme les arbuscules qu'on a vus tout à l'heure, d'autres champignons font des vésicules. Ces vésicules, ce ne sont pas des organes d'échange, ce sont des organes de champignons dans lesquels ils stockent tous ces nutriments à l'intérieur des cellules végétales. Voilà. Hein, c'est son coffre-fort. Hein, il est tellement à l'aise, ce champignon, dans la plante qu'il utilise la plante comme un coffre-fort pour garder ce qu'il y a de plus précieux, et donc tous les nutriments. Et si jamais le champignon venait à mourir à l'extérieur, et ben, tous ces nutriments resteraient utiles et utilisables en fait, par la plante, hein, qui arrive à avoir une adaptation assez extraordinaire, justement, dans les systèmes d'aridité, notamment, hein, parce que quand le champignon meurt parce qu'il fait trop chaud, ben, l'arbre a un surcroît de nourriture qui lui est disponible, hein, et c'est souvent de la matière grasse, d'ailleurs, qui est stockée là-dedans, et donc très, très énergétique,
Hein, ce qui fait que l'arbre peut trouver de l'énergie, peut vivre pendant les périodes les plus difficiles pour lui. Voilà. Et alors, bien sûr, à l'extérieur, on voit nos champignons se déployer, se développer et coloniser par ces petits mycéliums blancs que l'on voit et qui vont représenter des quantités tout à fait prodigieuses de circulation, hein, de ce mycélium. Ce sont tous ces petits filaments. On peut en avoir des kilomètres, des centaines, des millions de kilomètres par arbre, hein. On a pu dénombrer, calculer en fait, hein, que sur certains vieux arbres, on a plusieurs fois la distance de la Terre à la Lune, hein, de champignons, de mycélium de champignons, sur les racines d'un vieil arbre. Voilà, donc c'est la biomasse de champignons dans le sol, dans un sol bien vivant. Il y a beaucoup de mycorhizes, et donc sur les vieux arbres notamment. Cette diversité, cette quantité de champignons peut être supérieure à la biomasse de l'arbre. C'est-à-dire que dans nos écosystèmes, c'est pour ça que notre humus forestier sent si bon le champignon, hein, c'est qu'il y a plus de champignons que d'arbres. Les champignons sont l'être dominant de la forêt. Il y a plus de champignons que d'arbres dans une forêt. Et donc sur un vieil arbre. Voilà, et donc cette petite carte assez troublante, mais un peu triste aussi en même temps, qui voit donc la répartition sur notre planète entre les champignons ectomycorhiziens, donc ceux qu'on a vus à la fin, donc ce sont en fait tous nos champignons des bois, hein, les cèpes, les girolles, tous ces champignons qui nous font cette délicieuse carpophore qui nous régale, hein, et qui vivent en symbiose avec des arbres. Et puis les champignons endomycorhiziens, donc qui sont plus ces champignons des zones plus arides, plus sèches, et également des zones tropicales. Et vous voyez que lorsqu'on est dans une forêt tropicale, on a quasiment 100% de champignons, pourcent de biomasse très associé avec des ectomycorhizes. Donc, on a 100% d'endomycorhizes en bleu, donc 0% d'ectomycorhizes. Et plus on va vers le nord, plus on va vers le nord, plus on a donc des ectomycorhizes. Et quand on regarde aux Amériques, vous voyez qu'il y a un continuum entre endomycorhize et ectomycorhize. On a un continuum de champignons, ce qui fait qu'on a des zones à peu près aux mêmes latitudes que nous, où on a beaucoup, déjà beaucoup de champignons endomycorhiziens associés aux forêts. Alors que chez nous, eh ben, ce n'est pas le cas. Oui. Et on a même un grand vide entre les deux. Le désert du Sahara, où il y a bien quelques endomycorhiziens, hein, en Afrique du Nord, hein. Mais on a un grand vide qui est lié au fait que le seul passage qu'ont les champignons pour passer de là à là, c'est le Nil, hein, parce qu'on a cette barrière qui est le Sahara, et donc on a une espèce de discontinuité entre le nord et le sud. Et en Asie, vous voyez, c'est un petit peu comme aux Amériques, hein, mais on a une meilleure continuité, une meilleure remontée, vous voyez, jusque-là dans l'est de la péninsule, en Chine et en Russie ici, hein, où on a quand même des champignons, des communautés de plantes qui sont constituées à moitié 50% de champignons endomycorhiziens et ectomycorhiziens. Alors que chez nous, bon, on en a quelques-uns, bien sûr. Tous nos arbres fruitiers sont des champignons endomycorhiziens, comme ceux qui sont en bleu, là, au milieu, hein. Mais tous nos arbres forestiers ne sont pas adaptés au réchauffement climatique. Voilà, et ça, c'est le message des champignons aujourd'hui. C'est toutes nos forêts qu'on voit périclitées. Un des éléments fondamentaux, c'est que la trame mycorhizienne auquel les champignons sont associés n'est plus la bonne.
hein, parce que la continuité, parce qu'on a inventé des formes de relations à la nature qui ont à peu près tout dégommé autour du pourtour méditerranéen, hein, et donc les champignons du Sud, la végétation du Sud, les êtres du Sud ne sont pas suffisamment accueillis dans nos écosystèmes, parce qu'il y a un petit goulet d'étranglement qui passe le long du Nil. Voilà. Et comme le long du Nil, c'est l'endroit où la civilisation donc, égyptienne s'est développée, a inventé des formes assez primitives, enfin, d'agriculture assez ancienne. Hein, et alors, certes, avec des arbres, mais pas un flux suffisant pour avoir cette diversité-là. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas s'adapter, parce que oui, il y a quand même un petit peu de jaune. On a quand même des champignons endomycorhiziens chez nous. On a quand même des arbres avec des endomycorhizes. Mais pas suffisamment. Voilà. Alors, nos vieux arbres, en quoi ils vont nous aider? En quoi ils vont intervenir là-dedans? Voilà. Je fais le collapsologue, là, je vais dire, ah, tout va s'effondrer, toutes les forêts vont brûler, mais en fait, avec les vieux arbres, va se passer autre chose. Et vous allez comprendre, je pense, assez vite. Voilà. Tout est lié. Ah oui, là, donc, on a deux champignons, un dont les noyaux ont été colorés en vert, un autre dont les noyaux ont été colorés en rouge. Et entre ces deux champignons, donc ils là, dans ce cas-là, sont de la même espèce, vous avez donc des connexions qui se font entre les deux, hein, des anastomoses, on appelle ça, ce qui fait que le contenu des noyaux jaunes verts de l'un vont se retrouver dans le rouge, et les noyaux rouges de l'autre vont se retrouver aussi dans le jaune. Les champignons se connectent et se reconnectent en permanence entre eux pour faire des trames dans lesquelles les informations liées à certains arbres vont se connecter aux informations liées à d'autres arbres. Imaginez que là, le côté vert, ce soit un champignon qui soit connecté sur un vieil arbre. Un vieil arbre qui ait beaucoup d'expérience, 200, 300, 400, 500 ans d'expérience, 500 ans s'il a été maintenu en trogne pendant toute sa vie. Il a déjà vécu des tas de choses. Chacun de ses glands est une merveille d'adaptation, mais ça veut dire que chacune de ses feuilles, chacune de ses branches est aussi une merveille d'adaptation, de réaction, de réactivité qu'il va pouvoir transmettre par son champignon mycorhizien auquel il est connecté aux champignons qui sont autour. Mais celui qui va être connecté, par exemple, sur ça, ce ne sera peut-être pas le même. Bien sûr, ce ne sera pas le même que mon vieil arbre, ce sera un autre arbre. Et donc, les messages, les informations que les champignons s'envoient entre eux vont pouvoir aller de champignon en champignon. Et comme dans ces informations, il y a aussi toute l'information que le champignon, comme il est relié à l'arbre par sa mycorhize, il y a toute une partie de l'information de l'arbre qui est aussi véhiculée là-dedans, elle va se disperser d'arbre en arbre. Et finalement, quand on commence à regarder, à quantifier les informations qui peuvent passer d'un arbre à un autre, on a des choses comme, bon, qui sont bien mesurées aujourd'hui, comme l'acide jasmonique, hein, donc un élément de régulation de certains pathogènes. Quand un arbre envoie un message de régulation de certains pathogènes dans ses racines, ça va dans un réseau mycorhizien, ça va dans l'autre, et les plantes qui sont autour sont informés de la présence de ce pathogène-là. Aujourd'hui, donc, des petites protéines qui voyagent dans ces réseaux-là, on en connaissait à peu près 200 différentes, hein, donc des facteurs éliciteurs de réaction, hein, des plantes. J'ai lu une publication là, il y a quelques semaines. On en est à 2700. On a trouvé certaines plantes qui envoient jusqu'à 2700 facteurs
de régulation différente de leur de toute la pathogénicité, donc liée à toute la bonne santé des plantes, 2700 facteurs différents. J'étais encore resté, avant cette publication, 1000, 1300, 1700, enfin, on était dans ces eaux-là, un bon millier. 2700 facteurs différents qui circulent dans les plantes et dans le système racinaire et qui peuvent être des moyens d'informer les plantes. Et plus un arbre est vieux, plus son épigénétique se sera adaptée à son environnement, plus il aura la capacité de trouver les bons éliciteurs, de les faire exprimer et de les envoyer dans son réseau. Mais pour des éléments comme l'acide osmonique, on a pu démontrer qu'un arbre malade, une plante malade, envoie 1000 fois plus d'acide osmonique que ce dont il a besoin pour se soigner lui-même, un ordre de 1000 fois plus. Ça veut dire qu'un arbre envoie de quoi soigner 1000 plantes autour de lui. Et si j'ai un vieil arbre capable de soigner 1000 plantes autour de lui, de façon admirable, parce qu'il a l'expérience, il a la réactivité nécessaire, et bien cet arbre sera un facteur de bonne santé de mon environnement. Et quelquefois, on voit un vieil arbre à côté d'un champ et on trouve que le champ, l'herbe n'y pousse pas bien. Alors certes, c'est peut-être un prix à payer pour les quelques plantes qui peuvent ne pas être très bien connectées à ce vieil arbre. Mais pour toutes les autres, c'est le gage de la résilience de mon écosystème. Vous voyez, donc, bon, ça c'est un autre message pour voir, donc, pareil, entre le vert et le rouge, on voit que le vert se diffuse, hein, et arrive à coloniser. Donc on a un réseau de mycélium là, et on voit qu'une information qui part d'un endroit se diffuse, et se diffuse à des grandes vitesses, puisque ça peut atteindre plusieurs mètres à l'heure, et même dans certains cas, on a pu mesurer plusieurs mètres par minute où des informations se diffusent d'arbre en arbre. Voilà. Alors là, je vais juste arrêter ça pour vous montrer un autre petit phénomène que j'aime beaucoup. Et alors voilà, je suis tout le temps. Alors comment je fais pour me remettre, quitter le mode plein écran? Tac. Une réfrangence particulière, donc c'est vu au microscope. Et voilà, pardon. Et donc et autour on a des petites bactéries. Voilà. Et sur le film, ce qu'on aurait vu, c'est que ces bactéries circulent à très grande vitesse, plusieurs mètres à l'heure, 50 mètres par jour. Voilà. Et que ce réseau de mycélium associé aux arbres va être une véritable autoroute sur laquelle les micro-organismes du sol vont circuler.
Le sol n'est pas quelque chose de figé. Le sol est quelque chose où il y a énormément de mouvements. Et toute la vie microbienne du sol n'est pas figée, n'est pas que figée dans des voiles bactériens, dans des films bactériens ou dans des choses ou des réseaux feutrés de racines ou de mycélium. Il y a à la surface de tout ça des autoroutes dans lesquelles la vie circule d'une façon prodigieuse. Voilà. Et donc cette vie qui circule, donc on a voulu suivre ça, nous, sur... dans 93 sites, c'est une étude donc qui a été réalisée sur 87 sites dans lesquels il y avait des vieux arbres, et on a suivi 842 paramètres de présence de champignons, et on a voulu voir en fait en quoi ces paramètres étaient reliés, et puis de voir aussi l'incidence que ça pouvait avoir sur la productivité de différentes cultures qu'on avait autour. Et alors là, grosse surprise, donc l'élément le plus important dans nos écosystèmes, c'est justement, alors vis-à-vis de ces paramètres, c'est des paramètres microbiens, microbiologiques des sols. Plus je suis près du vieil arbre, plus j'ai de vie dans le sol, de diversité d'organismes dans le sol, et plus donc j'ai de mouvance, de déplacement, de dynamique dedans. Et ces vieux arbres qui sont au cœur de ces choses-là deviennent les éléments les plus importants de nos écosystèmes dans cette étude. Ils apparaissent comme les éléments les plus importants de nos écosystèmes. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui est pour moi très troublant. Ce qu'on a également pu mesurer, c'est qu'un vieil arbre agit jusqu'à 500 mètres de distance. 500 mètres, vous voyez, c'est un rond d'un kilomètre de diamètre, 500 mètres de rayon, avec un vieil arbre au milieu. Et bien ça, c'est le domaine d'action d'un vieil arbre. Et quand on met ça en relation avec la toute première diapo qu'on a vue, ou la deuxième, des vieux arbres, la répartition des vieux arbres sur la planète, un vieil arbre par kilomètre carré, vous voyez, et bien on trouve expérimentalement la même chose, qu'un vieil arbre agit sur un secteur d'un kilomètre par le biais de ses trames mycorhiziennes. Voilà. Et donc, ce vieil arbre, en quoi il va, quels sont ces autres éléments? Donc, on voit qu'il a une espèce de mémoire extraordinaire de son vécu, donc une génétique, une épigénétique, une adaptation. On a vu qu'il est connecté donc maintenant sur un réseau, mais tout à fait prodigieux, de champignons, d'un grand nombre de champignons. Ces champignons se mettent en lien. Et donc, ce lien, alors voilà, ça c'est au sein de mes vieilles âmes, une vieille trogne d'un chêne pubescent qui se trouve tout près de chez moi. Hein, voilà, et qui alors, lui, que j'ai beaucoup étudié parce qu'il était producteur de truffes. Hein, voilà, et que c'est près de cet arbre, il y a des truffes encore, et que tout le milieu qui est autour de lui va être un milieu dans lequel les truffes vont être abondantes. Hein. Donc, il peut même avoir une incidence sur la productivité des truffes qui sont autour de lui, alors qu'en fait, il produit des tas de champignons concurrentiels de la truffe. Hein. Et donc, c'est cet élément-là qu'on va essayer de voir, en quoi la diversité peut être à la fois et une concurrence et presque une bénédiction hein, pour les plantes qui sont autour. Alors voilà, donc nos vieux arbres sont connectés à un très grand nombre d'arbres. Et tous les arbres que j'ai choisis ici, quasiment tous, ce sont des plantes endomycorhiziennes. Mon vieil arbre, mon vieux chêne qu'on a vu tout à l'heure, lui, c'est un chêne. Il est ectomycorhizien. Il a des champignons qui ne supportent pas tellement la sécheresse en dehors de la truffe qui est le contre-exemple qui dit tout à fait le contraire de ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Mais voilà, un arbre ectomycorhizien connecté à des arbres endomycorhiziens. On a pu démontrer que les mycéliums ectomycorhiziennes, comme ma truffe, pouvaient être présents à l'intérieur de tout ce cortège de plantes. Donc, en fait, il y a bien une connexion factuelle entre mon vieil arbre et toutes les plantes endomycorhiziennes, donc toutes ces plantes fruitières qui sont autour de lui. Et ça, c'est une grande nouvelle. Parce qu'en fait, comme ils sont ensemble, ils échangent des choses, ils échangent de l'information, ils échangent des nutriments, ils échangent de l'eau, ils échangent des savoir-faire.
et surtout des savoir-être, vivre ensemble. Voilà, ils ont appris à vivre ensemble. Et ce vieil arbre qui vit là depuis 300 ans, il est capable de vivre avec toute la diversité des plantes qui l'ont accompagné, ne serait-ce qu'un instant, un moment de sa vie, que sur de la longue durée. S'il vit toujours là, c'est qu'il a su vivre avec tout ce qui est autour. Et donc, mon vieil arbre, qui est l'élément majeur dominant, celui qui a une ramure abondante, celui qui a beaucoup beaucoup, qui s'est bien capté, récolté le soleil, il va nourrir abondamment toute la vie du sol, parce que tous ces nutriments vont se retrouver dans le sol. Et sans racisme aucun, le vieil arbre va nourrir la diversité des champignons et des micro-organismes qui lui sont associés. Il donne 20 à 40% de sa sève pour nourrir les micro-organismes du sol, ceux auxquels il est directement associé, comme ces champignons mycorhiziens, mais également ceux des êtres avec lesquels il est associé, comme toutes ces plantes-là. Et donc, ça crée des interactions, des liens, des relations qui font que plus mon vieil arbre va vivre avec une diversité de plantes importantes, mieux il sera capable de vivre dans les écosystèmes. Et comme c'est lui qui garde la mémoire de tout ça, eh bien, c'est lui qui va aider tout l'écosystème à progresser et à traverser les difficultés auquel tout l'écosystème va être soumis. Et notre réchauffement climatique est une des difficultés qu'ils auront à traverser tous ensemble et que nous aurons à traverser tous ensemble. Mais on peut essayer de traverser ça seul avec nos technologies, on peut aussi essayer de traverser ça avec ces vieux arbres qui peut-être nous protègent. Voilà, et un autre élément, bien sûr, des vieux arbres, c'est qu'un arbre qui est là depuis longtemps dans un milieu, il va servir de balise, de phare, de repère. Voilà, et donc ça, c'est dans une zone tropicale, en Amazonie, sur ces merveilleux morphos, ces merveilleux papillons qui viennent se mettre sur des repères. Des repères qui sont en fait des vieux arbres. Vous connaissez aussi toutes ces grandes migrations des papillons aux Amériques qui vont arriver dans certains endroits, qui sont des balises, des repères dans lesquels les animaux ont l'habitude de venir, ont l'habitude de passer. Comme ces arbres sont là depuis tout le temps, ils s'inscrivent dans la mémoire de tous les êtres qui vivent autour. Et quand on regarde dans la neige, l'abondance des traces de pas, des traces d'animaux, et bien, dès qu'on arrive près d'un vieil arbre, on voit tout de suite qu'il y a énormément de traces d'animaux qui convergent par là. Ce sont des balises, ce sont des endroits où ils ont l'habitude de venir se rassembler. Et lorsqu'on s'amuse à compter, par exemple, le nombre d'insectes qu'il peut y avoir autour de vieux arbres, et bien on se rend compte que la diversité du nombre d'insectes croît, grandit avec l'âge des arbres. Tous ces insectes, c'est qui ? C'est à la fois, bien évidemment, tous les insectes qui vont manger l'arbre, tous ces prédateurs, toutes les petites bestioles qui vont le ravager, qui vont se nourrir de ses feuilles, qui vont le trogner, qui vont le digérer, dont ils vont se nourrir. Mais c'est également l'immense cortège, 10 fois plus important en termes de quantité, de diversité, de tous les insectes auxiliaires qui viennent se nourrir de ces ravageurs. Voilà. Et donc, on va retrouver dans ce vieil arbre la diversité de tout ce qui détruit, mais également la diversité de tout ce qui protège, et qui est là dans un rapport de 1 à 10. Il y a 10 fois plus de choses qui protègent que de choses qui détruisent. Ne regardons que le monde des insectes. Voilà. Et donc, mon vieil arbre, la collection, comme il a beaucoup de prédateurs, et qu'il a beaucoup de ravageurs, du moins, il a aussi beaucoup de prédateurs.
Des études ont montré que tous les siècles, le nombre d'insectes auxiliaires augmente de 30% sur un arbre. 30%. Ouais. Chaque siècle, 30% en plus. Ah, c'est énorme. Et donc, ce vieil arbre constitue également une mémoire, un hotspot de biodiversité tout à fait extraordinaire. Et comme il a beaucoup de ravageurs, presque tous, il a aussi tous les prédateurs. Il a la capacité de pouvoir, certes, apporter des prédateurs, des ravageurs, donc des bestioles qui vont peut-être être embêtantes pour nous, pour nos cultures, mais il a aussi tout le cortège de ce qui protège, de ce qui sauve, de ce qui nous permet d'avoir cette régulation dans les écosystèmes et dans une quantité 10 fois plus importante. Ça, c'est aussi un apport fabuleux de nos vieux arbres. Et vous voyez souvent, quand on a un arbre qui commence à mourir, à vieillir, on a envie de lui couper son bois mort. C'est dangereux, ça peut tomber sur la tête. Alors certes, quand on est dans une ville, couper une branche qui peut tomber sur la tête d'un passant, ça se justifie, hein. Par contre, quand on est dans la campagne, couper une branche d'un vieil arbre qui est en train de mourir, est-ce que ça se justifie? Eh bien, moi, je pense que oui et non. Dans le bois mort, le bois qui pourrit, vont se développer plein de champignons, vont se développer plein d'insectes, vont se développer plein de bestioles. Et on dit tout le temps que c'est dans ce qui meurt, parce que dans la difficulté que naissent ces solutions. Voyez. Et dans ce qui meurt, dans ce processus de décomposition, vont naître toute une diversité de bestioles qui vont se nourrir de cette décomposition. Et donc soigner, en fait, quand un arbre est malade, qui a un petit champignon qui va pénétrer dans un endroit, et bien ce champignon, s'il n'y a pas une autre bestiole capable de manger ce champignon va se déployer, va progresser et va finalement consommer tout l'arbre et se comporter en pathogène. Hein. Et quand on laisse le processus aboutir, et bien en fait, de nouveaux champignons vont apparaître qui vont permettre de réguler la progression du champignon pathogène. Et de la même façon. C'est comme si nous, voyons, quand il faut qu'on ait une maladie pour que notre corps acquiert l'immunité qui lui permet de ne plus avoir la rougeole une deuxième fois dans sa vie. Voilà. Et bien, pour un arbre, tant qu'il n'a pas une maladie et qu'il n'y a pas la solution, que la solution n'a pas émergé, et bien, en fait, tout le massif forestier pourrait être constamment atteint, la maladie pourra constamment se déployer. Et je pense que c'est important de sélectionner, de choisir quelques vieux arbres chez soi, peut-être qu'un par kilomètre carré, dans lequel on ne va pas beaucoup interférer, on ne va pas beaucoup bouger, on va laisser le bois pourrir, on va laisser les processus de maladie, de décomposition aller le plus loin possible pour que puissent émerger dans ces lieux-là les solutions qui vont ensuite protéger tout ce qui est autour. Voilà, c'est un équilibre à trouver. Mais il se passe quelque chose d'assez extraordinaire quand on a commencé à trogner un arbre, c'est qu'au bout d'un moment, la trogne devient creuse. Et donc toutes les maladies de décomposition du bois vont se développer dans le creux de cette trogne. Et toutes les solutions qui vont permettre de protéger les plantes qui sont autour vont également se développer dans le creux de la trogne. Et donc, ça nous permet d'avoir un arbre qui va se creuser, mais dont toute forme de danger sera exclue, vu que il ne pourra pas nous tomber sur la tête, ce ne sera pas une branche qui sera en train de mourir, et dans laquelle le processus d'altération, de décomposition et de protection puisse aboutir et se mettre en place. Voilà. Et la trogne, comme un élément bienveillant. Et souvent, on dit, ah, quand l'arbre est creux, il meurt. Mais non, quand l'arbre est creux, c'est là justement qu'il devient précieux. Parce que c'est à ce moment-là qu'il va commencer à redéployer toutes les solutions qui vont émerger à l'intérieur de
de ce qui est en train de pourrir. Et puis au bout d'un moment, dans cet arbre creux, eh bien, il y a des abeilles qui peuvent venir, symbole de fécondité. Et peut-être un petit peu plus tard, la chouette qui va venir dans le creux de cette trogne, le creux de cet arbre, y vivre, cette chevêche, cette chouette, symbole de la sagesse. Les vieux arbres ont tellement, tellement de choses à nous apporter. Et un autre élément, c'est que ces balises donc, vont aussi servir de repère pour les animaux migrateurs notamment. Et dans un arbre, ils ont la vieille trogne qui est près de chez moi, ou dans les vieux arbres qui sont un petit peu plus loin, c'est des endroits où il y a énormément de gazouillis d'oiseaux, où il y a beaucoup de monde qui passe, beaucoup de monde qui vit, beaucoup de monde qui se déploie, tous ces petits oiseaux, tous ces grands oiseaux comme ces cigognes ici. Et que viennent-ils faire en fait ces oiseaux? Vous voyez que les oiseaux font des grandes migrations par toute la Terre. Donc là, on ne voit qu'un parti du trajet, mais ces cigognes, elles viennent des zones équatoriales, tropicales, elles viennent d'Éthiopie, du lac Tana, des sources du Nil bleu, ces endroits où on avait une belle tache verte de plein de champignons endomycorhiziens. Ces oiseaux font les trajets entre le nord et le sud. Et en fait, on a pu démontrer que ces oiseaux migrateurs transportent sur leurs pattes et dans leur appareil digestif toute une collection de champignons mycorhiziens qu'ils véhiculent avec eux. Et donc, ces champignons mycorhiziens, pourquoi? Parce que vous voyez une petite grenouille, une cigogne qui aura mangé une grenouille, qui elle-même aura, ou qui aura mangé une musaraigne, qui aura mangé un petit ver de terre qui sera plein de la terre, qui n'aura pas digéré justement des spores de champignons endomycorhiziens, ces champignons du sud, eh ben, va voyager par par migration d'oiseaux interposés pour venir nous rejoindre jusque chez nous et venir y disséminer tout ce qui est de l'adaptation de nos écosystèmes à des choses qui viennent du sud, à des choses qui savent vivre avec le chaud, avec le sec, avec des choses qui savent vivre avec une plus grande salinité. Et que ces oiseaux qui se déplacent et qui quelquefois viennent dormir, viennent passer la nuit dans nos vieux arbres, dans nos trognes, vont apporter jusque tout près de chez nous ces précieux inoculums, donc inoculer plus de vie, et pas n'importe quoi comme vie, une vie du sud, une vie qui sait déjà vivre avec des températures 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés plus importantes que celles qu'on a aujourd'hui chez nous. Et si on veut que la vie soit possible chez nous plus tard, il faut que ces mouvements soient amplifiés et favorisés de façon à ce que nos écosystèmes puissent bien s'adapter. On l'avait vu sur la carte des champignons ectodomycorhiziens que les Amériques sont beaucoup mieux lotis que nous parce qu'on a une continuité entre les champignons du sud et les champignons du nord. L'Asie est également le cas, chez nous, ben, peut-être pas suffisamment. Voilà. Et si ce n'est pas suffisamment, ben, il va falloir être vigilant sur notre capacité à remettre en route ces grands passages, ces grands corridors de vie que sont les grandes voies de migration des animaux pour accueillir ces animaux, ces oiseaux migrateurs, en plus grand nombre chez nous. Le nombre des oiseaux migrateurs a diminué de 90%. Il y a 10 fois moins d'oiseaux migrateurs actuellement qu'il y a un siècle et demi. Enfin, c'est une diminution énorme. Et donc, tout ça, c'est vraiment des éléments qu'il nous faut avoir et dans notre tête et dans notre cœur aussi, pour nous réouvrir les portes du Sud, pour que toute la vie du Sud puisse venir nous rejoindre. Voilà. Et les vieux arbres, en tant que collecteurs de toute cette vie, vont être des éléments importants. Donc, on a aussi à veiller
à ce qu'on ait des vieux arbres et de vieilles trognes, hein, qui sont des formes d'existence, de fécondité finalement entre l'arbre et un humain qui va s'en occuper avec une attention particulière pour que cette trogne vive le plus longtemps possible et donc de prendre soin finalement de ces vieux êtres, de ces vieux individus. Voilà, la vie est belle, la vie est fondamentale. Clara, je crois qu'il y avait une question que tu voulais poser sur le blog. Oui, exactement. Donc, en fait, je vois qu'il y a une question par rapport à un vieux Taxus baqueta qui serait situé en Allemagne et qui aurait environ 2000 ans. Et en fait, sans effet de trogne, a priori, et il se demande si ce genre était là à part, en fait. Et c'était une Ah question. oui, alors voilà, donc oui, bonne question, très très belle question. Alors c'est vrai que l'IF, hein, Taxus baqueta, c'est vraiment enfin, tous les arbres, des diapos, des toutes premières diapos du début, il y avait plein d'arbres, de plein de forêts qui n'étaient pas du tout trognées et qui peuvent vivre très vieux. Hein. Donc nos arbres, mais tous nos arbres, peuvent aussi vivre très vieux sans être trognés, à condition qu'ils soient dans un environnement qui soit capable de soutenir leur vie et leur croissance pendant 100, 200, 300, 500, 600, 700 ans. Ce paysage-là, c'est un paysage qui se construit, hein, donc qui est déjà construit dans les forêts de Białowieża, par exemple, en Pologne, hein, où on a encore quelques reliquats de forêts primaires, qui est aussi construit dans la forêt de la Sainte-Baume, par exemple, chez nous, je crois que c'est dans le Var, là, pas très loin de Marseille, hein, dans lesquels les arbres peuvent acquérir par eux-mêmes des âges tout à fait vénérables, hein. Donc, il y a plein d'arbres qui peuvent vivre très longtemps sans être régulièrement trognés. Dans les forêts pionnières, hein, donc dans tout ce qui va permettre de préparer la forêt primaire, en fait, dans cette forêt pionnière, c'est une forêt qui va trouver son dynamisme dans sa relation avec les animaux. Hein. Donc, quelquefois, les animaux, les seuls qui restent dans cette forêt, ce sont les agents de l'ONF ou des Homo sapiens, en fait, qui vont les gérer, quoi. Mais dans une forêt, c'est normalement des animaux qui les broutent, qui les mangent et qui permettent de constituer une diversité, d'abord d'une fertilité de sol suffisante pour qu'une forêt primaire avec des arbres qui, là, pourront commencer à vivre des siècles, puisse se mettre en place. Mais un arbre alors un arbre tout seul va avoir du mal. Enfin, c'est un stade dans l'évolution des forêts. Donc on a trouvé, hein, on avait vu tout au début, ces petits genévriers de 6000 ans, hein, qui arrivent. On peut avoir des très très vieux arbres, hein, qui ne sont pas trognés, hein, bien évidemment. Le fait de les trogner, c'est de compenser, je crois, le faible nombre d'herbivores et d'herbivores adaptés aux arbres, hein, puisqu'on n'a plus de mammouths, on n'a plus de girafes, on n'a plus de cette mégaphone qui pouvait exister aussi chez nous, hein, pour faire vivre plus de bisons dans nos bois, hein, voilà. Plus de hordes de chevaux sauvages, hein, qui passent là-dedans. Et donc, c'est peut-être pour compenser cette absence-là, hein, en attendant qu'on puisse revoir des forêts primaires chez nous, hein, ce que j'espère de tout mon cœur. Et ces forêts primaires, d'ailleurs, hein, elles sont aussi souvent, dans ce qui reste de reliquats de forêts primaires, le fait qu'elles soient aussi sous le passage des oiseaux migrateurs est aussi un des éléments qui est très important, parce que ce sont ces oiseaux migrateurs qui transportent les inoculums des zones les plus au sud, donc tout ce qu'on avait appelé endo-Europe,
mycorhizes, hein, les champignons qui vivent avec dans les racines, qui sont adaptés au chaud, à la sécheresse, à la canicule, à l'augmentation de salinité et de conductivité électrique de nos sols. Voilà, tous ces champignons du sud sont transportés par les oiseaux migrateurs jusque chez nous. Et donc, dans ces vieux arbres, ces vieilles trognes, ces vieilles forêts, sont des éléments très, très importants, justement, de la collecte de ces choses-là, parce qu'ils vont servir de refuge, de reposoir, de dortoir pour tous ces oiseaux qui font des migrations et qui amènent les inoculums du sud vers chez nous. Hein. Et donc, ils vont permettre l'adaptation de nos écosystèmes au réchauffement climatique. Voilà. Les vieux arbres vont nous protéger, hein, à condition qu'on les laisse nous protéger. Voilà, la vie est belle, elle est fondamentalement belle, et toute cette mécanique de vie, de flux, hein, est importante. Donc, il y a un très beau projet dans lequel on participe, hein, ce qu'on appelle Passage, hein, qui est là pour réfléchir de façon internationale à l'évolution et à la reconstitution de ces grands corridors biologiques qui permettent à la vie de circuler et à nos écosystèmes de s'adapter. Hein, et d'ailleurs, on voit sur cette carte, on voit déjà deux grands passages. Hein, le passage qui va de Hambourg, donc là, qu'on voit arriver jusqu'à la mer Rouge, mais qui va descendre en fait jusqu'en Éthiopie. Et un autre qui part aussi de Hambourg, qui traverse aussi toute la France et le détroit de Gibraltar, et qui arrive jusque dans toute la partie sahélienne, hein, donc la partie nord de la grande zone tropicale, où il y a aussi des zones humides. Cette zone d'interaction entre les grandes forêts primaires endomycorhiziennes et les zones ouvertes, hein, aussi endomycorhiziennes, ou de barrécages, et donc ces oiseaux qui vont revenir jusque chez nous, nous apporter les inoculums, donc le levain qui va permettre à nos forêts de s'adapter. Voilà. Et les vieux arbres vont nous aider, mais vous avez compris que les vieux arbres ne sont pas seuls, hein, ils sont associés à une grande diversité de plantes, et plus il y a de plantes différentes autour d'eux, plus il y a de liens différents, plus ils sont riches en fait en vie et donc en capacité d'adaptation. Voilà. Et donc les vieux arbres qui doivent tout le temps être connectés à un vieux lierre, hein, un vieil arbre, une vieille trône ne peut pas se concevoir sans lierre. Voilà. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que toutes ces petites bestioles, tous ces insectes, et là, on voit sur cette photo, il y a entre les abeilles, les papillons, les coccinelles, les sifflets, il y a plein de petits trucs. Plus on regarde cette photo, plus on voit de bestioles. Et ces petites bestioles, en hiver, elles n'ont que ça à manger. Le nectar et le pollen que produit le lierre, parce qu'il fleurit en hiver. Et donc, si je veux maintenir de la vie autour de mon vieil arbre, il faut que se développe et se maintient que ce qui est nourri. Et c'est le lierre qui nourrit tout ce petit monde, en offrant le gîte et le couvert. Et le gîte, justement, dans toutes ces anfractuosités, cette tige du lierre avec toutes ces petites cavités, ces petites cachettes dans lesquelles plein d'insectes vont trouver refuge. Voilà, c'est très important. Le lierre n'est pas un parasite, hein, il y a plein d'études maintenant qui le montrent. Le lierre est vraiment une plante symbiotique des vieux arbres. Voilà, et donc le lierre, alors oui, le lierre aussi, avant de parler de l'eau, en été, le lierre est froid, il reste une surface froide, ce qui fait qu'il va condenser l'humidité de l'air. Ça, c'est un élément important, et vous ferez tous l'expérience en été de passer votre main avec les doigts légèrement écartés derrière les feuilles du lierre. On a des capteurs de vent qui sont juste près de la palme, entre la petite palme qu'on a là-bas, près des doigts. Là, il y a des endroits où on sent de façon excessivement fine les courants d'air ou les courants d'eau quand on passe les mains dans l'eau. Voilà. Et là-dedans, juste de mettre la main, vous allez sentir à ces endroits-là, vous allez sentir l'air qui circule. Pourquoi est-ce que l'air circule dans le lierre ? Ben, c'est simplement que comme l'humidité se condense à la face inférieure des feuilles de lierre, l'air se déshydrate, ça crée une dépression.
Et cette dépression donc, va faire que l'air plus chaud va être attiré par le lierre et ça crée un petit courant d'air, une dépression donc avec donc entre l'air chaud, donc l'anticyclone, comme l'anticyclone des Açores, et la dépression. Hein, l'air va du plus vers le moins c'est la dépression. Le lierre crée une petite dépression qui va attirer à lui l'air chaud. Et cet air chaud, riche en humidité, puisque plus l'air est chaud, plus il peut contenir de vapeur d'eau. Il va contenir toute la transpiration hein, des plantes qui, quand il fait chaud, vont transpirer. Et bien ça va se condenser sur les surfaces des feuilles de lierre, sous les feuilles de lierre, recirculer dans le réseau de sève élaboré, parce que pour que ça se condense, mais ça ne va pas être transpiré tout de suite, ça va passer dans la sève élaborée, redescendre vers les racines. Et mon lierre, imaginez-vous qu'il est aussi mycorhizé, avec des champignons endomycorhiziens, ce dont on a besoin pour que ça s'adapte au réchauffement climatique. Et donc, va nourrir spécifiquement le réseau endomycorhizien, lui apporter de l'eau. Et en lui apportant de l'eau, il va permettre une hydratation hein, du sol. Et finalement, quelques mesures qui ont été réalisées là-dessus ont montré que la même eau peut être transpirée plusieurs fois par un arbre, recapté par un lierre, re-rentrer dans le sol, repasser dans l'arbre, tac, tac, tac. Et ça crée des cycles, des petits cycles secondaires, des petites rétroactions qui vont permettre eh ben, des choses absolument surprenantes, des mesures qu'on a réalisées ici, pendant la canicule de 2019. 30 mm d'eau ont été captés comme ça par les lierres et par les sous-bois. Pendant les 10 jours de la canicule, ça faisait entre 2 et 4 mm par. Ça se passe en fin de journée, en début de nuit principalement. Hein, donc ça ne fait pas de rosée, ça fait juste quand on sent le soir, nous, on sent que quelquefois le soir, il y a un petit peu d'air frais qui tombe sur les épaules, le moment où on veut mettre la veste. Donc nous, on a une température de 37 degrés, donc ça arrive un peu tardivement dans la soirée, mais pour les plantes qui sont à température plus faible que nous, ça arrive avant. Hein, et un lierre qui va être à 28 degrés, donc va commencer à condenser de l'eau à 40 degrés hein, de l'extérieur. Hein, voilà. Et ça apporte 2 à 4 mm d'eau par jour ou par début de nuit. Et donc, sur une canicule de 10 jours, ça fait 30 mm d'eau, l'équivalent d'un gros orage. Voilà. Et donc, c'est ça aussi qui contribue à ce qu'il y ait plus d'eau dans les forêts, plus d'eau près des arbres, parce qu'il y a des associations de plantes qui vont permettre de condenser l'eau et de climatiser. Donc là, on voit un petit cours d'eau hein, dans un sous-bois automnal, hein, toute la fraîcheur, hein, pour évoquer cette fraîcheur des arbres et des vieux arbres. Et puis voilà, vous voyez, le sous-bois, un sous-bois, ce n'est pas quelque chose de désert. Ce sous-bois, c'est quelque chose où il y a plein d'autres plantes qui poussent. Donc, j'ai mis un sous-bois de conifères, parce que vous savez, les conifères sont en train de mourir dans plein de lieux. Pourquoi ils meurent ouais. Parce que donc peut-être pas adapté, peut-être pas ces champignons endomycorhiziens, peut-être pas ça, mais ils meurent aussi parce qu'en fait on ne leur laisse pas de sous-bois. Un vieil arbre, quand il va commencer, vous prenez un chêne, il va commencer à faire ses glands, vous avez pu remarquer que sous un arbre, il y a toujours plein de petits bébés qui vont pousser et qui vont naître. Voilà. Hein, et vous voyez, dans ces racines qui sont tout le temps superficielles. Et voilà, la suivante, voilà. Et quand vous avez un petit gland comme ça qui germe, il émet ce qu'on appelle un pivot. Alors, le pivot, c'est quoi? C'est la première radicelle de l'arbre, du gland, donc, qui va s'enfoncer dans le sol et qui va descendre en profondeur. Le pivot, ça représente, vous voyez, par rapport à l'arbre qu'on a avant, ça représente rien du tout. 95% de les racines des arbres, c'est même 99,5% des racines des arbres, c'est superficiel. Le pivot, c'est juste un petit truc. Alors, un arbre, quand il naît, il va faire son pivot qui va descendre à 2, 3 mètres de profondeur, et dès que le pivot sera suffisamment profond, l'arbre commencera à pousser vers le haut, hein, et en poussant vers le haut, à
prendre de la place. Mais s'il est sous un arbre, il n'aura pas beaucoup de lumière, il ne va pas pouvoir beaucoup pousser. Par contre, il va faire un pivot. Et sous un arbre, on va avoir 100, 200, 300 petites plantes qui vont chacune faire un petit pivot. Ce qui fait que mon vieil arbre va être associé à 200, 300 plantes différentes qui chacune vont faire un pivot qui va s'enfoncer dans le sol. Alors ce pivot, en quoi il est important? Eh bien, c'est lui qui va dans la profondeur, qui va s'entourer d'un manchon de champignons, avec toute cette histoire d'hyperfluidité qu'on a vue tout à l'heure, avec l'eau qui circule le long des faisceaux de champignons, et qui va remonter l'eau des profondeurs. Et un arbre, en vieillissant, va se connecter aux nappes d'eau profondes, parce qu'il aura fait tous ces petits bébés qui seront en dessous de lui, qui l'alimenteront en eau. Et donc, tous ces petits semis, tous ces petits arbres de sous-bois sont très importants parce que même s'ils sont tout petits, c'est eux qui multiplient les liens entre la surface du sol et la profondeur. Sinon, tout le reste des racines va être superficiel, en fait. On a besoin de cette multitude de petits pivots pour que nos arbres aient de nouveau accès à l'eau. Voilà. Et aujourd'hui, on voit des tas de vieux arbres mourir simplement parce qu'on a nettoyé tout ce qui pousse en dessous. Et que tous ces petits arbres sont absolument indispensables à l'alimentation hydrique des vieux arbres lorsqu'ils deviennent plus âgés. Sinon, ils n'ont pas assez d'eau, donc chute de cime et meurent. Voilà. Et puis, quand l'année où il va faire un petit peu trop chaud, ben, nos arbres vont complètement s'effondrer. Donc, une forêt, elle n'est pas faite d'arbres on a vu déjà pas monospécifiques, il faut qu'il y ait plein de plantes différentes pour qu'il y ait toute cette diversité de micro-organismes, mais il faut aussi qu'il y ait toute une diversité d'âge, des plus grands arbres aux plus petits. Et le plus petit, oui, le petit gland qui est en train de germer, le plus humble, le plus insignifiant, est finalement un élément important, fondamental, indispensable à l'existence des vieux arbres. Un vieux arbre ne vit bien que s'il est entouré d'une pépinière de jeunes glands. Voilà, de jeunes glands, mais aussi d'autres jeunes plantes. Hein, tout ce qui sème, tout ce qui se sème, va produire des pivots et va faire remonter l'eau, va remettre en lien des nappes profondes avec l'extérieur. Et comme tous ces petits arbres ne vont pas beaucoup pousser, toute l'énergie qu'ils vont avoir, elle ne va être utilisée que pour descendre en profondeur dans le sol. Voilà. Voilà, et donc ça fait remonter l'eau des profondeurs. Les lières vont hydrater, l'humus et toute la vie qui est là va permettre qu'il y ait une plus grande fraîcheur et donc de plus en plus de condensation. Et au bout d'un moment, ben, on peut voir ça, pas si c'est bien net, mais on voit une petite source qui coule au pied de cet arbre. Vous voyez, dans cette histoire de l'homme qui plantait des arbres et qu'au bout d'un moment, les sources reviennent. En fait, les gens, ils n'y croient pas. Ils le voient, ils trouvent ça poétique, ils trouvent ça beau, mais ils n'y croient pas. Ils ne croient pas qu'un arbre puisse faire revenir de l'eau. Il puisse faire revenir de l'eau par tous ces processus de condensation, par tous ces petits bébés, par tous ces pivots qui vont remettre en relation le fond, les profondeurs avec l'extérieur. Il va permettre à l'eau de recirculer aussi, vous voyez, pour que l'eau vienne à un endroit, il faut qu'elle soit comme captée par quelque chose. Si près d'une source, vous mettez une pompe qui va attirer l'eau, et donc tous les flux souterrains de l'eau jusqu'à un endroit, et donc là, cette source est vraiment remarquable parce qu'elle a carrément sorti sous l'arbre, hein. Mais voilà, ça crée une pompe qui va créer un flux d'eau qui va prendre l'habitude de passer par un certain passage et qui va faire qu'elle va ressortir à un endroit assez précis et près des arbres. Et autrefois, tous ces arbres-là, qui étaient associés à des fontaines, étaient même sacralisés tellement que ça paraissait important. Hein.
ces arbres qui génèrent de l'eau. Voilà, la vie est belle, elle est fondamentalement belle et elle a toutes sortes de mécanismes. Vous voyez, donc là, c'est peut-être la dernière phase un peu de l'exposé, c'est que sur la planète, donc là, on est en Éthiopie, vous voyez des bois comme celui-ci dans lequel il y a une petite chapelle qui est ronde, hein, et puis un très, très vieil arbre avec une source qui est là. Voilà, donc ces lieux-là ont été sacralisés, importants pour les populations qui y viennent. Et ce sont des choses qu'on rencontre, et là au Japon, cette forêt de vieux arbres, hein, assez remarquable, une cathédrale d'arbres. Vous savez, au Japon, il n'y a qu'un seul crime qui soit encore passible de la peine de mort, c'est celle d'abattre un vieil arbre. Et donc, tous ces vieux arbres sont bien sûr protégés par des gardiens, qui là sont des religieux. Puis, voilà, donc ça, c'est une petite chapelle de Saint-François à Vic-sur-Breuil, la chapelle des Chauvets. Vous voyez qu'il y avait une trogne, qu'on voit là, et puis son vieil arbre, qui est là. Voilà, donc ça, c'était une photo de 2014, et voilà la photo de cet hiver. Le vieil arbre est tombé. La trogne est restée derrière. Le vieil arbre est tombé. Ce vieil arbre dont la vie aura été-elle inutile? Bien sûr que non. On a bien vu que ce vieil arbre a porté toutes sortes d'oiseaux, d'inoculums, de vie, d'abondance, de générosité. Il a bien vécu et aujourd'hui, dans son processus, oui, son vieux lierre qui est à côté, il avait tout ce qu'il fallait pour vivre longtemps. Et dans nos milieux qui ont été relativement déforestés, relativement ouverts, ben, les grandes rafales de cet hiver n'auront pas auront eu le dernier mot. La trogne est restée. Voyez. La trogne aussi comme une espèce de message d'espoir sur la façon de vivre avec les arbres, cette façon de trouver une façon de vivre ensemble. Et la trogne qui était juste à côté du vieil arbre, qui était beaucoup plus jeune que lui d'ailleurs, hein, même si elle a peut-être 150 ans, mais le vieil arbre en avait peut-être 200, hein, 300 peut-être, je ne sais pas. Et la trogne a pu hériter comme ça aussi de tout ce qu'il y avait à côté de lui, de tous les inoculums, de toute la vie, hein, et qu'il y a une continuité comme ça, où finalement, les vieux arbres aussi meurent un jour ou l'autre, ils sont potentiellement immortels, mais ils peuvent aussi mourir, bien évidemment. Et que dans cette mort, en fait, c'est également un énorme cadeau que la vie nous fait, parce qu'à partir de maintenant, tout ce qui était rentré dans l'arbre, toute cette information, tous ces micro-organismes présents dans l'arbre et dans le sol, toute cette vie qui est là, va pouvoir continuer à se déployer autour de cette chapelle, le relais est pris par la trogne d'à côté, mais voilà, tout ça n'a pas de, tout ça n'est pas vain, et que la vie s'enrichit d'année en année et se transmet. Ainsi, d'arbre en arbre. Voilà, c'est un peu sur cette image, hein, qui nous rappelle que dans la vie, tout est donné, que cette vie, cette abondance nous est complètement offerte par la nature, que tout est lié, que tous les êtres sont reliés ensemble et que les champignons sont un des éléments de cette narration, mais que les oiseaux qui traversent le ciel sont aussi un élément important de cette narration. Tout est lié, mais que tout est fragile. Serons-nous de bons gardiens de la vie sur Terre, gardiens de cette fragilité, gardiens de ce don? À nous de choisir, moi j'ai choisi, et ça m'a appris quelque chose d'important, c'est que la vie est belle.
Voilà. Je pense qu'il y a quelques questions dans le chat, Hervé, si tu as toujours un peu de temps pour y Oui, répondre. mais bien sûr, bien sûr. Alors, je vais arrêter le partage d'écran pour qu'on se voit peut-être un petit peu mieux là, comme ça. Voilà. Il y en avait une de Jeff qui demande si en fait nous-mêmes on ne pourrait pas jouer le rôle des oiseaux migrateurs et apporter avec nous les champignons mycorhiziens. Voilà, mais alors ça, alors effectivement, déjà beaucoup d'entre nous partagent leurs graines, leurs semences, hein, et donc aujourd'hui, il faut peut-être aussi réfléchir à amplifier le supplé ce que font les oiseaux migrateurs, parce qu'il y a plus suffisamment des oiseaux, en attendant qu'on ait plus. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire ben, que quand on le fait déjà spontanément, quand on va quelque part, on aime bien ramener un petit peu de terre de l'endroit qu'on a aimé, hein. Et ben, c'est de prendre un petit peu de terre d'un endroit qu'on a aimé, de la remettre auprès de notre vieille trône, de notre vieil arbre, et que lorsqu'on va voir quelqu'un, des amis, ben, on peut aussi aller prendre un petit peu de la terre d'un endroit pour l'amener un petit peu plus loin. Alors, un petit peu plus loin, hein, voilà. Est-ce qu'on va pas aller dévaster l'Éthiopie, ramener des tombereaux de terre d'Éthiopie jusque chez nous, ça n'aurait absolument aucun sens, hein. On va le faire de proche en proche. Hein, parce que on l'a bien vu dans tous ces inoculums, dans toute cette vie, dans tous ces arbres, il y a tout ce qui est tous les ravageurs, il y a tout ce qui fait mal, hein, mais il y a également tout ce qui protège. Et donc si je transportais avec moi des ravageurs sans transporter ce qui protège, ça ne marcherait pas bien, hein. Ou alors il faudrait qu'il y ait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oiseaux qu'il fasse pour que tous les écosystèmes se transplantent, hein, de part et d'autre. Et un individu qui ferait ça tout seul dans son coin aurait trop de chances de ramener quelque chose de négatif et pas que du positif. Donc pour pas ramener trop de négatif, eh ben, on va le faire sur des petits trajets, hein, dans ce qu'un être humain peut faire comme trajet à pied, de façon pédestre, raisonnable, hein. Et donc de limiter nos transports d'inoculum au secteur que l'on est capable de faire à pied ou dans un rayon, quand on veut faire ça en groupe, un rayon de ben, voilà, on va dire 500 km, hein, puisque finalement les écosystèmes vont se déplacer d'à peu près 500 km dans les 10 ans qui viennent. Donc 500 km pour moi qui habite à Brive, ça veut dire que ben, d'aller peut-être jusqu'à Barcelone simplement et puis de revenir et de transporter des choses sur cette échelle-là, hein. Voilà, parce que et de ne prendre des choses que dans des écosystèmes dans lesquels la vie est abondante et donc équilibrée, dans lesquels cette harmonie du vivant, cette résilience est à l'œuvre, d'aller prendre des choses partout où on trouve que c'est beau, en fait, tout simplement, hein, ou que la terre est belle, que des lieux dans lesquels on est attiré, dans lesquels on ne voit pas des choses de maladies ou de pathologies qui s'expriment. Mais sur des petites distances, ce que je conseillerais de le faire que sur des distances qu'on fait à pied, mais oui, pour le faire à pied, si je veux remettre en circulation des inoculums entre l'Éthiopie, alors pourquoi l'Éthiopie? Parce que l'Éthiopie, c'est là que Homo sapiens est né, hein, donc tout ce qu'il faut pour fonder un écosystème humain existe en Éthiopie. Voilà. Tout ce dont on a besoin, tout ce qui nous a fait naître, c'est là-bas que ça se trouve. Ça ne veut pas dire d'aller en Éthiopie pour ramener ça, mais si moi je fais juste 1 km à pied et que je vais transporter mes trucs, et puis que la personne qui est 1 km de moi le fait aussi entre son jardin et son vieil arbre, et ainsi de suite, il suffit qu'il y ait simplement 7 000 personnes qui le fassent entre chez nous et puis l'Éthiopie pour que tout ça se brasse, mais à la vitesse à laquelle les écosystèmes peuvent avancer, puisque finalement chaque trajet ne se fait que d'un kilomètre à la fois. 7 000 personnes pour aller en Éthiopie, c'est finalement pas grand-chose, hein. Il y a certaines de mes vidéos qui sont vues à 30 000, 40 000, 80 000, 200 000 exemplaires quelquefois. Si chacune des personnes s'amuse à faire ça, eh ben, on remet en mouvement les choses à notre échelle pédestre, j'insiste là-dessus, hein, pour que nos écosystèmes s'adaptent doucement. Et puis pour tout vous dire, vous voyez, ça fait des années que je le fais, moi personnellement, de transporter les inoculums pédestrement. Le relais étant passé à d'autres personnes qui vont le remélanger, faire se réadapter. Et je sais qu'aujourd'hui, au moins entre la Turquie, hein, l'est de la Turquie, presque le mont Ararat, et chez nous, il y a déjà des gens qui font ça.
Il y a déjà, on a parlé de tous ces lieux sacrés. Il y a dans plein de monastères des personnes qui vont transporter de la terre de monastère en monastère sur des petites distances et qui les échangent. Hein, il y a des tas d'êtres bienveillants qui veillent sur ça, mais voilà, qui veillent à leur toute petite échelle et que c'est cette petite échelle-là qui est la plus importante. L'adaptation des écosystèmes se fait par l'action simultanée de choses minuscules, de millions, de milliards d'oiseaux qui font leur migration. Et voilà, donc si des millions ou des milliards d'humains faisaient aussi ces petits gestes, ben, je pense que la planète, non seulement s'en porterait mieux, mais en plus apprendrait à mieux nous connaître, parce qu'on serait beaucoup plus en interaction amoureuse avec elle. Finalement, c'est ça la grande question. Est-ce que je suis prêt à me laisser atteindre par quelque chose de plus grand qui me dépasse complètement, la vie sur Terre? Est-ce que je suis capable de faire avec ou est-ce que je vais rester à être constamment contre parce que je n'aurai vu de la vie que le côté négatif, que le côté terrible, que le côté terrifiant et que je n'aurai pas vu les 90% de beauté qu'il y a à côté et autour de ça. Voilà, donc quelle vie je choisis, quelle relation au monde, et dans ces passages d'inoculum, dans ces grands corridors qui se remettent tout doucement en place, la vraie question, c'est que cette question d'amour. Est-ce que je peux me laisser aimer, toucher, me mettre en lien avec cette nature qui est plus grande que moi et qui me dépasse complètement. Voilà, Lou, il y a peut-être des questions encore? Oui, j'arrive, pardon. Bien sûr, il y a encore quelques questions, il y en a même certainement beaucoup trop pour que tu puisses les faire avant la fin. Donc, on t'a déjà posé la question si on pouvait jouer le rôle des oiseaux migrateurs. Il y a une question un peu plus tôt dans le chat qui pourra intéresser la majorité des participants sur des références de livres, par exemple, ou autre chose, je ne sais pas, que tu pourrais nous donner sur la géographie mondiale des endo- et ectomycorhizes. Alors, chose d'ajouter de la bibliographie en général. Ouais. Voilà, donc vous l'avez là derrière, la bibliographie, il y a des livres qui traînent partout. On a bien vu. Voilà, donc sur les éléments ecto-endomycorhiziens, donc il faut aller surtout voir dans les revues sur les endomycorhizes là de Marc-André Sellos, là, enfin, une publication scientifique qui traite de ces sujets-là dans lesquels on peut trouver tous ces éléments. Dans les livres de vulgarisation, il y en a plusieurs. Alors, bon, on ne va pas les sortir ici, mais on pourra les remettre ensuite dans les commentaires de la vidéo, hein, de quelques livres. Voilà, enfin, il y en a un voilà, que je veux absolument citer quand même, c'est celui de Marc-André Sellos, hein, « Jamais seul », hein, sur tous ces microbes qui fondent les écosystèmes et qui fondent même les sociétés et les civilisations. Hein, donc, qui explique bien les relations qu'il y a entre intimes, extraordinaires que l'on peut avoir entre le monde microbien et tout ce qui vit autour, hein, qui est vraiment une source pour introduire le sujet, enfin, de façon et scientifique et passionnante. Hein, voilà, Jamais seul de Marc-André Sellos. Ouais. Voilà, super. Ouais, je vais mettre la référence dans le chat. Voilà. Sinon, on a une question qui, je pense, suite à l'inspiration que tout ce que tu as dit peut créer, qui demande qu'est-ce qu'on peut faire en fait chez soi, par exemple dans un jardin, dans un contexte périurbain, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire à sa petite échelle, voilà, pour favoriser les dynamiques dont tu parles. Alors, en fait, il y a déjà une chose toute simple à faire, c'est d'essayer de se projeter dans du très long terme. Qu'est-ce qu'on veut laisser pour dans un siècle ou dans deux siècles, hein? Ce n'est pas du tout à l'échelle de notre vie. Mais par contre, c'est s'insérer dans une dynamique qui va faire que les choses pourront rester au-delà. Et donc,
dans cette, si on commence à s'imprégner de cette exigence de faire des choses sur le temps long, donc déjà, on va se rendre compte qu'on ne peut pas le faire tout seul, parce que c'est des choses qui vont au moins se transmettre avec notre propre famille ou avec le collectif dans lequel on est associé, la commune, le quartier, les voisins, et de pouvoir commencer à porter des réflexions sur ce qu'on veut laisser de nous sur le temps long. Et puis voilà, premier élément, donc ce qui vient de cette projection sur le temps long, qui pour moi est l'élément important qu'il faut qu'on retrouve. Hein, on dit toujours ici et maintenant, non, ici et maintenant, mais pour plus tard, on veut que nos enfants héritent d'une parcelle et d'une planète en bien meilleur état que celle dont on a hérité. Hein. Et donc voilà, donc ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est aussi de prendre conscience que nous, on ne sauvera rien du tout. C'est la planète qui va nous sauver. Et donc de laisser des lieux dans lesquels on ne touche plus rien. Petit coin dans le jardin, un pot de fleurs, mais dans lequel on ne fait rien. Et on laisse juste les choses évoluer spontanément pour apprendre de ce qui peut évoluer et de ce que la planète, la nature, a à nous dire aussi. Donc ces deux éléments, ne rien faire du tout, et puis se projeter sur le long terme, et d'avoir des lieux dans lesquels on puisse expérimenter ça. Et dans ces lieux dans lesquels on ne fait rien, ça peut aussi passer par le fait de trouver des lieux dans la nature un petit peu isolés, hein, pour voir ce qui s'y passe, et de passer du temps justement avec la nature. Juste à voir sur un banc. Voilà. Trouvez-vous des bancs dans les bois, sous des treuils, et juste contemplez, regardez, écoutez, sentez, humez. Voilà. C'est des choses très très simples, mais ô combien fondamentales pour apprendre à connaître. On veut aimer la nature, mais ce n'est pas en regardant des vidéos d'Hervé Covès qu'on va aimer la nature. On va intellectuellement s'ouvrir peut-être la tête sur des tas de choses, mais aimer la nature, c'est en allant vivre avec elle. Sortir dehors, de passer du temps et une inspiration sur ce qui va vous toucher de la nature, tout ça va vous venir très spontanément. C'est juste de prendre le temps de passer un petit peu de temps avec elle, comme avec toutes les personnes, tous les êtres que l'on aime. Merci beaucoup, Hervé. On va te poser encore une toute petite question avant Oui. la fin. Il y en avait d'autres, malheureusement. Elles sont, voilà, on peut pas faire poser toutes les questions dans une conférence. Je vais l'élargir un peu pour qu'elles puissent toucher à d'autres choses. On nous demandait s'il était possible de cultiver sur un sol basique des petits fruits donc, qui ont besoin de sol acide grâce à des ronces qui feraient le relais mycorhizin. Ah ben J'étends oui. cette question. Est-ce qu'on peut utiliser comme ça ces mycorhizes dont tu nous parles? À quel point on peut les utiliser quoi, pour les choses qu'on veut cultiver? Voilà. Donc alors déjà tout ce qui va porter ces champignons endomycorhiziens, dont les ronces, voilà, sont nos alliés de notre transformation. Ça, c'est un des messages, comme les lierres sur les vieux arbres, les ronces autour des arbres. Voilà, c'est vraiment un élément qui arrête beaucoup de personnes, quoi. Voilà. La ronce, c'est elle qui fait auquel tout s'accroche. Hein. C'est aussi la ronce, c'est dans la ronce que naît la forêt. Hein. C'est la ronce qui fait le lien entre le milieu ouvert et le milieu forestier. Une lisière de forêt pleine de ronces va avoir comme action de faire sortir l'énergie de la forêt vers l'extérieur. Et donc finalement, si j'ai un vieil arbre, une vieille tronche, une ronce et une salade, eh ben, l'énergie de l'arbre, toute cette énergie, tout ce qu'on a vu que produit la vieille tronche, le vieil arbre, ben, tout ça, c'est la ronce qui va permettre le lien pour que ça aille jusqu'à ma salade et avoir la plus belle salade du monde. Voilà. Donc j'ai besoin de ronces. Voilà. Et quand je ne veux pas trop de ronces, eh ben, je vais mettre des framboises, des ronces sans épines, des petits fruits, toutes ces plantes qui pourraient les remplacer, les plantes de lisière, tous les rosiers, tout ce qui est petit arbuste, tout ce qui va donner des fleurs, voilà. Toutes ces choses-là, toutes ces plantes aromatiques, toutes ces plantes vivaces à parfum, toutes ces plantes médicinales, voilà, tout ça, ces plantes-là vont me faire le lien, hein, comme le fait la ronce, mais en moins bien. Voilà, donc
Je peux mettre un petit peu de tout ça, mais je peux aussi laisser un petit peu de place pour les ronces ou pour mes amis les framboisiers. Hein. Bon, mais vous savez, ce week-end, hein, j'étais chez, pas ce week-end, la semaine précédente, on était sur des chantiers de plantation. Et donc, des gens, ils plantaient des arbres. Hein, donc, c'était bien, c'était beau. Et bien, moi, dans leur chantier, j'étais planté des ronces. Parce qu'il n'y avait pas assez de ronces à mes yeux. Il y avait que ce que tu fais, Hervé, tu es fou. C'est les choses les plus importantes. Voilà. Planter des ronces. Il faut être fou. Alors, comme j'ai les cheveux blancs, maintenant, les gens, ça passe. Quoi. Quand j'étais plus jeune, je n'aurais jamais pu dire ça. Ouais. C'est des ronces. C'est le message de ce 15 février à midi. Sortez tous de chez vous et allez planter des ronces, si on a bien compris. Hein. Exactement. Génial. Eh bien, il est midi, Dylan. On va peut-être te rendre l'antenne s'il n'y a pas de message pressant qu'Hervé voudrait nous dire avant de quitter. Mais si, il ne m'étonnerait pas. C'est la dernière chose. C'est vraiment, merci à tous. Alors, hein, retenez bien. Sortez, hein, on est resté suffisamment longtemps confinés. Sortez, c'est le printemps qui commence à arriver. Il y a encore un petit peu de froid par endroit, mais dès que le soleil revient, vous sentez cette chaleur arriver, vous sentez cette vie émerger. Le matin, les oiseaux sont tout fous. Allez les écouter, allez sentir les fleurs, allez sentir l'humus, allez vous promener, allez regarder les arbres et repérer toutes les trognes qu'il y a autour de chez vous et allez juste vivre. Juste vivre pour vous rendre compte, peut-être aussi, que la vie est belle. Voilà, je vous aime et à bientôt. Merci mille.